Bébé, je veux un nouveau véhicule. Je ne veux plus de l'autre là. C'est devenu vieux. Mais l'autre, je l'ai acheté il y a seulement 6 mois. Ça fait déjà 6 mois. Je veux un nouveau. S'il te plaît. Ok, je vais en parler à mon comptable et on va résoudre ça. Mon amour. C'est bon. Merci. C'était quand la dernière fois que tu as parlé à maman? Ta mère? Il y a 2 jours passés. Ok, je lui ai parlé aujourd'hui avant la dernière réunion. Merci beaucoup, mon amour. Non, c'est rien. Je ferai tout pour toi, tout pour te rendre heureuse. Aussi longtemps que tu promets de continuer de prendre soin de toi. D'accord? Bien sûr que oui. Et puis, j'aimerais que nous parlions. Ok. Je suis désolé pour ce qui s'est passé ce matin. Mais tu sais, tu n'avais pas besoin de réagir comme ça. Ce n'était pas intéressant. Désolé. Je ne t'ai pas entendu venir hier soir. C'est pourquoi quand je me suis réveillée ce matin, en tout cas, je ne savais pas que tu avais un visiteur. Je suis désolée. Ça va, je te comprends. Et je suis également désolé pour la façon dont ma petite amie t'a parlé. Ok. Ok, bon, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour arranger ça? Pourquoi ne pas faire les shopping aujourd'hui, aller se laver demain, le dimanche on visite Antique View Team. Visiter Tantine Botim le dimanche. Je crois que je dois y penser. Non, tu ne penseras plus. Tu as dit tout ce que je veux, non? Ok, donc maintenant tu essayes de m'utiliser maintenant. Bon, ok, d'accord. Et si je vais d'abord au travail, je reviens et puis nous allons faire du shopping. Ok. Ça va? Ok. Merci. Merci. Mange ta nourriture. Mon roi, mon père m'a demandé de venir vous voir parce que je suis maintenant le nouveau directeur de la compagnie. C'est pour moi un grand honneur de travailler avec vous. Je t'en prie. Tu es à présent un homme. Je n'ai jamais douté de tes potentiels, ne serait-ce qu'un jour. Oh oui, tu es un jeune homme très responsable. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup, Sa Majesté. Félicitations. Merci. Ceci mérite donc une célébration. Merci beaucoup, Sa Majesté. Oui. Qu'est-ce que mon roi célèbre à l'absence de la reine? Mike, tu es là? Bonjour, ma reine. Dites-moi, c'est quoi les motifs de votre célébration? Mike, ici présent, vient d'achever avec des choses merveilleuses. Il est maintenant le directeur général de la compagnie familiale. Oh, c'est ce qu'il est venu partager avec nous. Oh, félicitations. Merci beaucoup, ma reine. Tu l'as déjà dit à ma fille? Non, pas encore, ma reine. Je vais donc le faire personnellement dès que la princesse sera de retour. Alors, parlons de la princesse. Nous aimerions que tu ailles la prendre à l'aéroport demain. À 9h pour être précis. C'était ça son arrangement. Et j'espère que tu auras à lui parler. Merci beaucoup mon roi et c'est avec plaisir. Je dois déjà partir parce que j'ai beaucoup de choses à gérer au bureau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes salutations. Merci beaucoup, ma reine. Prends soin de toi. Ah. Tu vois de quoi je te parlais. Ce jeune homme sera un merveilleux mari. Tu peux lui faire confiance autant? Oui, bien sûr. J'ai fait énormément de business avec sa famille. Depuis très longtemps. Et nous n'avons jamais eu de problème. Alors laisse-moi te dire que ce jeune homme est le meilleur choix de notre vie. Crois-moi sur ça. Si tu le dis, monseigneur, je n'ai pas de problème. Le dîner est servi. Je ne le dis pas seulement, je le pense aussi. Ok, bien, dirigeons-nous à la table. Bien, allons-y.
Oui, chérie. Tu sais combien tu m'as manqué? Tu me manques vraiment beaucoup, bébé. Oh, tu es sûre? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste bien. Bon, tu sais ce dont j'aurais besoin là maintenant. J'espère que tu ne me trompes pas avec une autre fille là-bas. Si je les découvre, tu Non, même pas, bébé. Oui, c'est sûr. D'accord. Tu es trop jolie. Laisse-moi te regarder. Allez. Hé, hey, je suis sur un appel vidéo. Laisse-moi un peu seul. Désolé. Qui est-ce? Ah, chérie, c'est l'une de mes cousines. Elle est arrivée la semaine passée. Elle aime beaucoup faire des blagues. Est-ce que je la connais? Non, tu ne la connais pas, chérie. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre à ton retour? Rien du tout. Je te le dirai une fois que je serai là-bas. Oui, quelque chose de frais. bébé, est-ce que demain tu auras le temps pour venir me récupérer à l'aéroport ou soit tu seras occupée avec tes affaires? Oh, je vais le faire, chérie. Tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Oh, des fois, je me demande pourquoi tu m'aimes beaucoup comme ça. Bien sûr, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Ok, alors on se voit demain. Ah, ok. Prends très bien soin de toi. Toi aussi. Prépare-toi pour moi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et toi aussi. D'accord, chérie. Ok. Bébé, c'est si beau de revenir à la maison. Ouais, oh. Tu peux le dire encore. Oh, je suis très heureuse de revoir ton beau visage, mon chéri. Oh, tu m'as beaucoup manqué, chérie. Oh, tu sais que toi aussi, tu m'as beaucoup manqué. Je suis très excitée de revoir encore ton joli visage. Je suis plus excitée que toi. Alors, qu'en est-il de tes parents? Comment ils vont? Bon, papa et maman, ils vont bien. Ils sont très heureux quand ils ont appris que tu es de retour. Oh. Moi mais aussi. Tu sais, je suis plus heureux, n'est-ce pas? Je suis très impatiente de les voir. Mais à propos, partons d'abord à la maison. J'ai beaucoup de choses à te raconter. C'est vrai, chérie? En oui. D'autres termes, tu veux dire que tu as beaucoup à me montrer? J'en Allez. Étais sûre. Laisse-moi voir. Arrête. Ça. Tu m'as beaucoup manqué, chérie. Tu m'as chérie. Ah oui, hein? Ah. Alors. Tu sais ces sentiments? Quand tu as c'est beaucoup ça. Attendu pour revoir encore ton amour. Oh, bébé. Bébé. Tu m'as vraiment manqué, tu m'as beaucoup chérie. Manqué, bébé. Oh. Bon, dis-moi, comment ton voyage s'est passé là-bas? Ça s'est très bien passé. J'ai découvert beaucoup de choses. Mais tu sais, être dans une terre étrangère, c'est pas facile pour se débrouiller. Mais je me suis débattue et ça s'est bien passé. Oui. Oui, okay. C'est très beau là-bas. Regarde-moi l'arrière, s'il te plaît. Oui. Oui, regarde-moi l'arrière. Attends un instant. Oui. La voie est libre. Tu peux passer. D'accord, chérie. Je suis très content que tu sois revenu à la maison, au Nigeria, après ces bonnes années d'absence. Merci, papa. Je suis très contente de te revoir
parler avec toi au téléphone ne suffisait pas. J'avais très envie de te voir et de nourrir moi-même. Maman! Oui? Tous les deux, vous m'avez beaucoup manqué. Honnêtement, vous m'avez beaucoup manqué. Je m'ai beaucoup manqué aussi. Mais pour le reste, je ne suis plus une gamine, maman. Je peux très bien prendre soin de moi. Bébé? Hormis cela, tes plats m'ont vraiment manqué. Sérieux. Tiens-toi prête. Je vais préparer tout un menu pour toi. Tu dois profiter puisque tu as perdu du poids. Moi, je la trouve parfaite. Parlons de prendre soin de... Mike est ici pour toujours prendre soin de toi. Si tu ne veux plus que nous puissions le faire. N'ai-je pas raison, Mike? Bien sûr, Sa Majesté. Je suis prêt à tout pour elle. Oh, papa. Tu ne vas pas imaginer ce qui m'était arrivé la première fois que j'avais vu quelqu'un manger du poisson cru aux États-Unis. Tu sais, j'avais vraiment ressenti de la nausée. Tu sais, j'avais eu du mal à dormir. L'image me revenait à tout moment. C'est normal, c'est parce que tu n'es pas encore habitué à ce genre de choses. C'est au fil du temps qu'on s'adapte. Oh oui. Tu peux peut-être ajuster si tu avais osé. N'est-ce pas? Non, maman. C'est grave que ça. Bon appétit. Comment puis-je manger avec ma couronne? Oh, désolé. Désolé, papa. Ce n'est rien. C'est bon. J'ai l'impression que maman, tu as pensé à... Je t'assure que tu vas bien te régaler. Oh, hey, merci beaucoup. Commence d'abord par manger. Qu'en est-il de la reine Kate? Je ne l'ai pas vue depuis mon retour. Elle a voyagé, mais elle est au courant que tu es ici. Je crois qu'elle va arriver. L'autre, je suis impatient de la voir. Bonjour, ma reine. Ah, comme tu es toute belle. Merci. Pourquoi est-ce que tu ne t'es fait toujours pas belle ainsi? Ah, comment s'est passé ton voyage d'hier? C'est ça, ma reine. À mon retour, j'avais demandé après toi, ils m'ont dit que tu n'étais pas là. J'avais fait une petite sortie. Tu m'avais beaucoup manqué, tu sais, à la fête. N'est-ce pas aussi ton cas? Bien sûr, ma reine. On peut toujours organiser notre fête, tu le sais. C'est comme si tu sors. Ah oui, je m'en vais quelque part. Oh, fais beaucoup attention. Fais attention et rassure-toi de rentrer à temps. Bien sûr. Merci. Parce que je ne veux pas qu'il y ait quelque chose de mal t'arrive, s'il te plaît. Bienvenue, mon frère. Où dois-je dire bonjour? Pourquoi tu n'es pas dans ton lit? Je t'attendais pour que tu reviennes et que je te serve la nourriture. J'ai préparé ton repas. Je suis désolé, je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais rentrer à la maison aussi tard. Ok, viens, il faut aller au lit. Va voir qui frappe. Hé, hey, tantine! Bienvenue! Oh, comment tu vas? Oh, merci! Tantine! Oh! Roméo! Bienvenue! Comment tu vas? Oui, ça va. Tu apparais si beau, hein? Merci, ma tante. Toi aussi. Mon Dieu! Waouh! Oh, wow. S'il te plaît, quelles sont les nouvelles? Un débit. Apporte-moi de l'eau très bien glacée. Oh oui, vas-y. Bien, comment va la famille? Oui, nous allons très bien. Très bien vraiment. Et toi? Oui, nous allons bien. Juste, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Ok, je donc tu n'es pas allé au travail aujourd'hui? Non, j'ai juste fait un petit travail en ligne. Merci.
Ah, tantine. On avait un projet de venir te rendre visite demain. Alors, comme tu es là, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je vais très bien. Comment est-ce que ton frère te traite? Il fait de son mieux et nous sommes heureux. Tu dis qu'il fait de son mieux en rentrant à la maison en retard. C'est ce que tu veux me dire? Non, ma tante, s'il te plaît. Ne dis pas ça, je fais de mon mieux. En essayant d'arrêter de rentrer tard à la maison. Cela signifie aussi que je fais de mon mieux. Ok. Je vais juste dire, que Debbie doit venir chez moi. C'est une jeune fille et puis elle a besoin d'une formation et un soin. Donc Roméo, si tu vas pas bien prendre soin d'elle, faut l'envoyer chez moi. Désolé, je ne sais pas comment faire ça. Debbie, c'est la seule sœur que j'ai. Et c'est la seule personne importante qui m'est proche. Tantine, pardon, laisse-moi rester avec lui. Il fait de son mieux et il a promis de changer. Je crois qu'il le fera, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis pour le mariage? Ou bien il fait toujours des sommiers? Est-ce que tu peux d'abord te détendre un peu? Tu viens à peine d'arriver. Tu dois d'abord manger, puis te reposer. Tantine, on a fait la soupe de poisson frais et aguisé. Qu'on t'emmène ou quoi? Oh, donc vous êtes en train de me corrompre avec le poisson et aguisé. Parce que vous savez que c'est ma nourriture préférée, hein? Ok, laisse-moi tout d'abord essayer ça. Amène-lui la nourriture, elle va manger. Sinon, comment ça va à la maison? Tu sais, Dieu nous fait grâce en tout cas. Ce repas te plaît? Chérie, tu sais, c'est vraiment comme je l'aime. C'est vraiment délicieux, c'est pas trop moi également. C'est naturel. Ce repas est toujours accompagné d'eau. Pourquoi elle n'amène pas de l'eau? Peut-être qu'ils ont oublié ou ça viendra plus tard. Mangeons et le reste, on le saura après. J'ai vraiment soif, chérie. Pourquoi traîner pour amener de l'eau? Donc, on devrait rester pendant longtemps pour t'attendre venir avec Désolé, de l'eau. Désolé, monsieur, je ne faisais que... Mais tu l'as fermé? Tu m'as laissé là et tu as pris beaucoup de temps là-bas. Tu as un problème ou tu es stupide? Michael! Allez, arrête ça, s'il te plaît. Nous sommes en public. Chérie? Michael, s'il te plaît, de l'eau est là. Cette jeune fille essaie de bien faire son boulot. Alors, relaxe et arrête ça. Tu dois banaliser ça, bébé. Chérie, de quel côté es-tu? Cette fille a fait quelque chose de mauvais. Et toi, tu restes là, tu prends sa part. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Tu peux partir, jeune fille. Désolée. Merci, madame. Tu viens juste de lui dire de partir? Ferme-la! Ferme-la! Michael? 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 Comment ça a été? Très très bien. Tout s'est très bien passé, comme prévu en tout cas. Oh. Ils étaient tous là à m'écouter, en train de parler. Je sais, je te fais confiance. Oh oui. Ils sont donc restés sans mots. Oui, bien sûr. Maman? Princesse? Papa? Salut ma princesse. Assieds-toi, je t'en prie. Oh, merci papa. Papa, maman, je vous observais de très loin et croyez-moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir si heureux. Vous brillez vraiment, maman, comme des tourtereaux. Laissez-moi vous dire que j'aime voir l'amour que vous partagez tous les deux. Papa, j'aimerais avoir un homme comme toi, comme mari, une fois que je serai prête pour le mariage. Quand je serai prête, oui. Quand tu seras prête, tu as dit? Bien, ta mère est heureuse parce que elle s'était mariée au bon âge et au très bon homme. Un homme bon, c'est ce que tu dis, papa. Mais oui. Je suis à la recherche d'un homme bon. Qu'en est-il de Mike? Nous nous sommes tellement rapprochés avec la famille de Mike. En fait, ils sont plus que des amis pour nous. Ce jeune homme est très beau. C'est un bosseur.
Je suis certaine qu'il prendra bien soin de toi. Pourquoi ne pas lui donner une chance? Tes conseils sont toujours très importants, maman. Oui, il l'est. Mais j'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un vrai homme et pas d'un babysitter. Oui. En ce qui concerne le petit soin, je peux très bien prendre soin de moi ainsi que de vous deux. Alors, maman, je serais très ravie si nous changeons de CG. Papa, je dois aller au travail. On se voit plus tard. Bye. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec tous ces jeunes de nos jours. Ils ont l'air de connaître absolument toutes choses. Des choses qui n'ont absolument aucun sens dans leur vie. Et ils pensent qu'en faisant ça qu'ils grandissent. Tu sais, nous devons lui donner un peu de temps. Je crois qu'elle va s'adapter petit à petit à l'environnement. N'oublie pas qu'elle vient juste de rentrer. Laissons-la souffler un peu. J'espère que ça va aller avec le temps. Dis-moi un peu comment était votre réunion, l'air à laquelle vous avez commencé, et comment tu avais dominé tout l'environnement. Je l'ai dit tantôt. À la fin de la journée, j'ai prévalu. C'est parce que tu avais mon soutien, pas vrai? C'était une grande bataille. Mais comme je leur avais bien dit, ils devaient tous m'écouter. Ma princesse, est-ce que tu vas bien? C'est papa et maman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peux-tu imaginer? Ils essaient de me forcer de sortir avec Michael. Ce n'est pas possible, non? C'est exactement ce que je les ai dit. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire est que j'ai pensé que tu aimais Mike et que Mike t'aimait aussi et que vous planifiez déjà votre mariage. C'est plus le cas, ma reine, s'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que je dis? Tu viens de dire exactement ce que maman et papa ont dit et je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis désolée. Tu dois te reposer. Va dans ta chambre. Excuse-moi. Grand frère, change de chaîne. C'est l'heure du match. Grand frère Roméo. Ouais. Tu disais quoi? J'ai dit que tu changes de chaîne. Ne vas-tu pas suivre le match ou quoi? Oui, le match. Oui, bien sûr. Prends la télécommande de la télé. Est-ce qu'on peut avoir un petit temps de conversation, s'il te plaît? Juste pour quelques minutes. Et juste après, nous allons suivre le match. Ok. Ce que je voulais dire, à mon avis, ce serait sûrement beaucoup mieux que tu ailles rester avec Tantine Botifo. Grand frère, tu me le demandes sérieusement? Dis-moi seulement que tu me chasses. Non, pas du tout, ma chérie. Je veux juste que tu sois heureuse. Je pense juste que cela sera beaucoup mieux pour toi. Grand frère, je veux rester avec toi. Je sais que les choses sont très difficiles. Je le comprends très bien, mon frère. Mais je veux rester avec toi. S'il te plaît. Tu sais, quand tu parles, je vois notre défunte mère en toi. Et ça me fait vouloir pleurer. Ne commence pas. S'il te plaît, change de chaîne. Mets une chaîne où on peut suivre avant que le match commence. Mais sache que c'est mon équipe qui va gagner. C'est ton souhait. J'ai entendu ta voix quand j'étais dans la maison. J'ai cru que tu étais dans la chambre alors que tu es ici dehors. Bien sûr, maman. Tu as très bonne mine. Alors, maman, auras-tu besoin de jus parce que je peux envoyer quelqu'un pour te l'apporter? Oh, chérie, on pourra le faire même plus tard.
Servante, excuse-nous s'il te plaît. Mets un peu de côté cette histoire de boisson. Je veux que nous parlions de ce qui s'est passé hier. Tu sais, ma chérie, dans une relation, les querelles sont inévitables. Ce qui importe le plus, c'est ce qui vient après. Maman. Oui? Si tu as besoin que nous puissions parler de ce qui s'était passé hier, désolée, je ne suis pas vraiment d'humeur pour en parler. Ah, tu n'es pas de bonne humeur. On n'a jamais été de bonne humeur pour discuter quoi que ce soit. L'humeur, on le crée. Je suis ta mère. Si je ne suis pas en mesure de fixer les choses telles que ça doit être, ça veut dire que je suis bonne à rien pour toi. Je souhaite parler avec toi de cet incident maintenant même. Parlons-en maintenant. Maman. Oui. Michael n'est pas du tout mon genre d'homme. Quoi? Il est très prétentieux, maman. Il n'a pas de considération pour les autres. Et à chaque problème, il aime toujours être déçu, avoir raison. Et honnêtement, maman, je ne t'aurais pas supporté ça. Je comprends comment tu te ressens, ma chère. Allô? Ici, c'est l'Afrique. Il se comporte de la sorte parce qu'il est un homme. Nos hommes protègent leur ego. Je crois qu'il fait tout ceci pour ton intérêt. Ma chérie, tu es restée trop enfermée depuis que tu es partie de ce pays. Vous vous connaissez déjà il y a longtemps. Ok, si tu ne peux pas lui pardonner à cause du comportement qu'il avait affiché, pardonne-lui au moins pour l'assistance qu'il t'a apportée quand tu étais malade. Maman? Oui, ma chère. Alors, je souhaiterais que tu donnes à ce jeune homme une chance. Ça, c'était avant, maman. Vraiment? Tu as oublié qu'il s'est longtemps que tu cherchais à avoir cette opportunité de passer du temps avec lui. Qu'est-ce qui vient de se passer maintenant qu'il n'a jamais eu pour changer ton avis? Maman, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Merci. Je suggère que tu trouves comment déjà aller le voir. Maintenant même. Maintenant? Oui, maintenant. Maman? Oui, princesse. Tu sais que je ne saurais pas te dire non. Ok, je le ferai. Merci beaucoup. Tu sais que je t'aime beaucoup, maman. Et toi, tu es le plus grand cadeau que j'ai. Je t'aime beaucoup. Bien, maintenant on peut parler de boisson. Désolée, je ne vais plus te donner mon jus, non. Maintenant que je suis de bonne humeur. Non. Ok, il n'y a pas de souci. Michael? Princesse? Je suis bien en retard. Tu viens d'arriver et tu veux encore ressortir, grand frère. Oui, je... C'est à cause du travail. Viens, on peut en parler. Attends. On en parlera dès que je serai de retour. Alors? S'il te plaît, ne me demande pas ce qui se passe parce que je n'ai pas envie d'en parler. Mais tu m'as appelé pour me dire que tu avais besoin de me dire quelque chose. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai très mal, maman. Mon cœur est brisé.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai vu Michael. Je l'ai attrapé au lit avec une autre femme. Quoi? Tu... Non. Mais... Non. Inadmissible. Ce qui m'a fait le plus mal, maman, est qu'il m'avait menti. Il m'a menti parce que je me rappelle une fois pendant qu'on causait par appel vidéo. J'avais vu le visage de cette fille et il m'avait dit que c'était sa cousine. Vas-y, raconte, je t'écoute. Mm-hmm. Laisse-moi te regarder. T'es pas sérieux? Hé, hey, je suis sur un appel vidéo. Laisse-moi un peu seul. Désolée. C'était qui? Ah, chérie, c'est l'une de mes cousines. Elle est arrivée la semaine passée. Elle aime beaucoup faire des blagues. Est-ce que je la connais? Non, tu la connais pas, chérie. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre à ton retour? Cela veut dire qu'ils étaient ensemble depuis tout ce temps. Et il m'est monté, maman. Il m'est monté, maman. Il m'est monté. Je suis navrée. C'est de ma faute. Je suis vraiment désolée. Ah. C'est pas de ta faute. Ça ne l'est pas. Maman, j'ai besoin d'une pause. Je dois réfléchir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de me sentir bien. Maman, je dois sortir. Je rentrerai tard. S'il te plaît. Je suis désolée, ma chérie. Salut Charité, tu es ici? Je te cherchais partout. Tu sais quoi? J'ai parlé à Onoma et elle essayait genre de jouer à l'intelligente. Je ne comprends pas. Lui dire quoi? À propos de la princesse, non? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, quoi? Adoré, je n'ai pas le temps pour tes commérages ce matin. C'est comme tu vois, je suis très très occupée. Et pourquoi alors tu cries? Pourquoi tu cries? Salut Noma. Oui? Je sais au moins que toi tu as la page. De quoi? N'es-tu pas au courant? J'ai appris de nos voisins que la princesse veut établir son propre business. Mais je ne la trouve pas sérieuse, tu sais. Mais pourquoi une petite fille veut se donner des stress pendant que son père a déjà assuré son avenir en établissant pour elle tout un lot d'entreprises? Et où est ton problème? D'ailleurs, j'aime l'idée de la princesse. Pourquoi ne pas sauter sur cette opportunité de sa vie pour vivre ses rêves et se développer dans la société? Je ne vois rien de mal. Oh. Thank you.
Oh, désolé. Es-tu malade? Mais pourquoi autant d'amertume, mademoiselle? Je viens de dire je suis désolé. Es-tu stupide? Ou disons, c'est l'attention que tu cherches? Excuse-moi? Chercher de l'attention chez toi? Sais-tu qui je suis? Et qui es-tu? Tu es stupide. Allez, disparais de ma vie. Tu es un imbécile. Dégage! Tu peux imaginer ça? Idiot. Je dis que je suis désolé. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Chérie, allons-y. Hein? Allons-y. Pourquoi parles-tu ainsi à mon homme? C'est bon, je te l'envoie dès que j'ai fini. Et c'est à elle que je vais le donner. Ça leur dure. Papa. Bonjour. Bonjour, ma princesse. Maman. Bonjour. Bonjour. Tu es revenu très en retard l'année dernière. C'est quoi le problème? J'étais sortie pour le boulot, papa. Et je savais pas que ça allait me prendre tout ce temps. Je suis désolée. Tu es une princesse. Je n'ai pas besoin de te rappeler que plusieurs personnes te pointent des yeux. Pas seulement dans ce palais, mais à travers tout ce royaume. Je veux que tu sois un parfait exemple pour eux. Bien sûr, papa. Encore une fois, désolée. Ça ne se répétera plus. Maman, pardonne-moi s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Alors, je peux me joindre à vous pour le déjeuner? Tu peux prendre le mien, il n'y a pas de souci. Oh. Merci, maman. Tu peux finir cette tasse de thé que j'avais commencé. Oh, avec merci, ça, maman. Je suis certaine que tu vas bien passer ta nuit. Oui, ça va. C'est juste que j'ai légèrement mal à la tête, mais ça va aller. Une tasse de thé chaude, ça va beaucoup t'arranger. Ah, ah. C'est très chaud, maman. Ce n'est pas si chaud que ça. Oh, c'est vraiment chaud. Certainement. Oh. C'est bien pour toi. Mm-hmm. Ça va te réveiller. Bonjour. Ouais, bonjour, Debbie. Ah, comment s'est passée la nuit? Mieux que la tienne. Je vois. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour entrer à la maison hier soir. Je t'avais réveillée? Non, pas du tout. Mais ce matin, tu avais l'air terrible. Qu'est-ce qui t'est arrivé la nuit dernière? Prends ton thé, s'il te plaît. Je ne veux pas parler de ça. Ok, comme tu ne veux pas en parler, c'est pas un problème. Je ne pense pas qu'un jour je serai assez prête à en parler. Peu importe. Et donc tu t'en vas? Mon ami, ouvre-moi cette porte. Toi, tu me connais pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu la personne qui m'a engagé ici? Regarde, viens ouvrir cette porte. Regardez-moi ça. Tu me cries dessus? La princesse a dit que je dois pas trouver la porte. Toi, tu ne me connais pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi, tu me poses cette question. Viens ouvrir cette porte avant que je ne fasse quelque chose de mauvais. C'est sur moi que tu cries? Ouvre-moi cette porte. Viens l'ouvrir par toi-même. Gabriel, viens ouvrir cette porte. Je ne vais pas l'ouvrir. Pourquoi vais-je l'ouvrir? Pour la dernière fois, viens ouvrir cette porte. Passe au-dessus du mur. Vas-y, saute le mur et viens l'ouvrir par toi-même. Tu me commandes maintenant? Écoute ce qu'il dit. C'est toi la personne qui m'emploie ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dis à ce type d'ouvrir cette porte, sinon je... Ou qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, il a dit que la princesse a dit que je ne vais pas lui ouvrir la porte. C'est bon. Laisse-le entrer. Le roi a dit que tu devrais le faire entrer. Le roi a demandé que tu le laisses entrer. Porte.
Suivez-moi. Si tu reprends encore avec ces bêtises prochainement, je vais me rassurer que le roi te vire. Ferme-moi cette porte. Tu dis ça en tant que le prince ou quoi? Ou comme Ono, ou l'un des membres du cabinet? Non mais franchement, est-ce que tu as vu ça, hein? Chérie, je suis désolé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Écoute, j'étais ivre. Tu dois vraiment te dire que je suis une stupide et la pire espèce. Non, je suis aveugle. J'étais attrapée dans les lits. En faisant l'amour avec la fille que tu m'avais dit qu'elle était ta cousine. Comment essaies-tu d'expliquer cela, Michael? Mon amour, je suis désolé. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Écoute chérie, j'étais ivre. Sérieusement, j'étais ivre et elle a profité de moi. Écoute chérie, on peut continuer notre relation. On ne peut pas rester là à cause de cette stupide erreur. Je suis désolé. Une erreur? Tu essaies d'appeler ce que j'avais vu? Erreur, c'est ça? Oui, écoute chérie. Sérieusement chérie, c'était une erreur. Je lui ai demandé de partir. Ok. Dans ce cas, soyons honnêtes. Oui. Est-elle vraiment ta cousine? Oui. Oui. Elle n'est pas vraiment ma cousine comme telle. Sors d'ici. Dégage tout de suite! Chérie, je suis désolé. Ferme-moi cette bouche. Sors de ma maison tout de suite. Chérie, écoute, on peut résoudre ça. Si tu ne sors pas dans quelques minutes, j'appellerai les gardes pour qu'ils te mettent à la porte. C'est bon, d'accord. Je vais sortir ton corps misérable de ces lieux, vite. Allez, va-t'en, pars. C'est bon, d'accord. Ma princesse. Papa. Quels sont tes plans ainsi que tes futurs projets pour la compagnie familiale? Devrais-je te présenter au staff ou voudrais-tu travailler dans la compagnie une fois que je serai à la retraite? Je crois que ce serait une idée très géniale que ce soit toi qui soit à la gestion des affaires de la famille. Papa, maman, permettez-moi de vous dire que je ne vais pas travailler dans l'entreprise familiale. Et je ne vais pas non plus être toujours accrochée à vous. Et pourquoi ça? Écoute-moi, nous devons mettre quelque chose au clair maintenant. Je t'ai envoyé à l'étranger pour que tu voyes le monde, et non pour que tu deviennes comme ça. Tu ne t'habilles pas comme une princesse à chaque fois que tu quittes le palais. Et te voilà en train de nier tes responsabilités. N'essaye pas de me mettre en colère. Ma princesse, le fait que tu aies fait des études sur le management ne t'empêche pas d'être à la tête des affaires de la famille. C'est de notre empire que nous parlons ici, pour l'amour du ciel. Maman, pourquoi n'ai-je pas le droit de créer mon propre business? Suis-je obligée de travailler dans l'entreprise familiale? Suis-je vraiment obligée de le faire? Jusqu'à ce que tu te mettes à réfléchir et te comporter comme du sang royal. Je ne veux plus jamais entendre parler de cette conversation. Oui, papa. J'étais sur le point de sortir avant que vous ne me fassiez appel. Je dois vous prendre congé. Je m'en vais. Tu es vraiment censé parler à ta fille? Je suis surprise moi de même, mon roi. Je ne m'attendais pas à voir cette réaction d'elle. Je vais voir comment essayer d'en parler avec elle. Je suis désolée. Mon roi, vous m'avez appelé? Oui, ma chère. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Nous venions d'avoir une discussion pendant que tu n'étais pas là. C'est pourquoi j'ai voulu que tu le saches. Je crois qu'il n'y a pas de problème encore. Non, pas du tout. J'ai décidé de céder la compagnie familiale à la princesse. Je ne comprends pas, mon roi. C'est que le roi essaie de dire que... Arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux expliquer?
J'essaie de t'expliquer que le roi a... Expliquer quoi? Que tu as poussé le roi à tout donner à ta fille, c'est ce que tu veux m'expliquer maintenant? Ok, stop. Tu es ma plus jeune femme. Et ton fils est encore trop jeune. Comme mon fils est encore trop jeune, ça veut dire qu'il ne va rien avoir? Ça, ce n'est pas ce qu'il dit. La ferme, je ne t'ai pas adressé la parole. Maintenant, arrête ça. Ne parle pas ainsi à ta seigneur. Elle est une reine juste comme toi. Et comme je l'ai dit, ton fils est encore trop jeune. Pourquoi je ne peux pas gérer aussi les affaires de mon fils en attendant qu'il grandisse? Ça, c'est impossible. Je suis encore en vie. Je ne vais pas partager ma propriété. Tu fais partie de cette famille. Et tu as aussi le droit sur cette compagnie. Mais la différence ici est que la princesse dirigera la compagnie pendant que nous allons tous la soutenir. Je n'ai rien entendu et je ne vais rien considérer. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je m'en vais. Au revoir. Sa Majesté, ce qui me préoccupe le plus, c'est de savoir comment convaincre la princesse à accepter de gérer ses biens. Ne t'inquiète pas pour ça. Elle va le faire. Ok. La nourriture est servie. Non. Es-tu malade? On dirait un vrai coq. Non mais tu te prends pour qui? Donc c'est maintenant que tu m'apportes la nourriture? Après que tout le monde ait fini de manger, toi tu m'apportes la nourriture? Donc tu voulais à tout prix ma mort? Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? C'est maintenant que tu m'amènes la nourriture? Hein? Tu veux en plus que je la mange? Pour que je meure après? Idiote. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes là, non? Ok, donc tu voulais être servi avant tout le monde? C'est ça, je ne sais pas contrôler ta bouche. Je ne contrôle pas ma bouche, tu dis? Donc c'est toi qui dis que je ne contrôle pas ma bouche. Donc tu prépares ce poison pour me dire que c'est la nourriture, c'est ça? Depuis hier même, tu voulais m'empoisonner. Hein? Ce repas, moi je suis stupide. Tu es vraiment stupide. Vas-tu manger ou non? Regarde, Rita. Je suis stupide. Mais laisse-moi te dire ou te demander. Si cette nourriture n'est pas bonne, tu ferais mieux de me le dire pour que j'aille rapidement à l'extérieur. Acheter du pain et manger. Juste pour remplir le ventre. Quand tu seras cette nourriture est bonne. Ça, tu sais où me suivre. Ruta, reviens. On ne peut plus blaguer avec toi. Ruta, tu sais, tu es la seule qui m'apporte la nourriture aussi. À chaque fois que je te vois, je dis ah. Tu es vraiment la meilleure. Toute cette nourriture pour moi. Insensé. Gabriel, où est donc ce Bonarien? Gabriel. Marraine. D'où proviens-tu? Marraine, j'étais juste à l'intérieur, j'ai cherché de l'eau à boire. Donc tu veux dire que tu vas le laisser à l'extérieur? Pendant 5 minutes, parce que tu ne voulais pas m'ouvrir le portail? Gabriel. Gabriel, as-tu dit que je mens? Gabriel, moi j'ai menti. J'étais là-bas en train de t'attendre et tu es là en train de me dire que je mens. Regarde-moi ce Bonarien, imbécile que tu es. Allez, ouvre le portail, fais entrer la voiture. Imbécile, insensé. Attends, tu verras. Je vais te faire. Tu n'es qu'aîné. Tiens, pourquoi? Dieu, mon Dieu, toi. Va m'appeler la princesse, qu'elle vienne partager la table ensemble avec nous. D'accord, ma reine. Reviens ici.
qui a préparé cette nourriture? C'est moi, ma reine, je suis désolée. Donc tu as aussi ouvert ta bouche pour accepter que c'est toi qui as préparé cette nourriture? Débarrasse ça d'ici et prépare autre chose pour que je mange. Vas-y doucement, Kate. Tu veux dire que cette nourriture n'est pas bonne? Si tu ne sais pas préparer, où est ma faute? Voilà pourquoi tu ne sais pas si la nourriture est bonne ou pas. Mais la nourriture a l'air appétissante. Excusez-moi. Ma reine? Oui, ma chère. Tu t'en vas? Je n'ai pas envie, s'il te plaît. Papa. Papa, c'est quoi le problème? Non, il n'y a aucun problème. Elle ira mieux. Allez, mangeons maintenant. Tu peux te servir, ma chérie. Oh, merci. Hélène! Hélène! Je ne te laisserai pas tout prendre! Ellie, écoute, je n'ai pas le temps pour tes sottises. Je ne sais pas pourquoi tu te déchaînes comme une chaîne. Je ne sais pas ce qui t'amène à faire tous ces drames. Sache que je ne suis pas prête pour toi aujourd'hui. Qui fait le drame? Je t'ai dit que je ne te permettrai pas de tout prendre. Parce que c'est toi qui as demandé au roi de tout donner à ta fille. Et je ne croiserai pas le bras pour voir cela se réaliser. Je te dis, Hélène, je t'avertis sinon. Sinon quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi tu te donnes des kilos de parler avec emphase? C'est parce que je suis silencieuse? C'est quoi le motif de ton combat? Tu veux lutter pour quelque chose qui ne t'appartient même pas? Lutter pour un fils qui n'est même pas de cette famille? Tu crois que je ne le sais pas? C'est parce que je suis restée calme que tu te permets de divaguer et faire de bruit comme tu le fais? C'est parce que je ne parle pas? Oh. C'est ce que tu penses? Oh. Venir faire ici baratiner comme une folle? Hé hé hé! Maintenant, je comprends très bien. N'ignore pas ta position dans cette maison. Tu parles de la position? Où étais-tu lorsque le roi m'avait pris pour sa femme? Pendant que tu savais que j'avais déjà un fils. Laisse-moi te dire, un jour mon fils vous dirigera dans cette maison. N'importe quoi. Il reste un enfant bâtard même s'il habite le palais. C'est quoi cette bêtise que tu racontes? Tu veux profiter et avoir de l'avantage sur nous? Puisqu'on t'a accepté d'amener ces bâtards ici au palais? Hélène! Je t'avertis, c'est la dernière fois que je ne puisse le faire. Je te dis maintenant, rassure-toi de le mettre en pratique. Tu as quelqu'un pouvoir sur moi. Hélène, j'étais bien avertie. Je t'ai parlé et tu sauras ce que je veux te faire après. Je ne dis rien. Je dis que tu sauras ce que je veux te faire. Comme une chérie. Tu défies qui? Tu défies qui? Tu ne vaux rien. Hélène, tu sauras. Et tu ne le sauras. Arrête. Tu ne vas rien faire. Tu oses faire la bouche sur un enfant dont tu ne connais même pas le père? Tu es vraiment honteux. Laisse-moi tranquille. Ferme ta bouche. Tu verras, je te dis. Est-ce que je te dis quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Cette fille. La fois passée, quand je suis venu ici avec ma petite amie, nous avons acheté quelque chose. Et quand il fallait partir, et par erreur, je l'ai un peu bousculée. Je me suis excusé directement. Mais après, elle a dit n'importe quoi. Que je suis stupide, que je suis fou. Elle disait, qu'est-ce que moi je peux faire avec toi? J'ai dit, hé, mademoiselle. Calme-toi parce que je me suis excusé. Et j'ai résolu ça quand je l'appelais idiote. Et elle s'est fâchée, elle a commencé à dire n'importe quoi, que je suis malade, que je suis fou, je suis ceci. J'ai dit, mademoiselle, pourquoi tu es aussi amère? Je crois que c'était juste un accident, vous devriez juste vous excuser l'un à l'autre, c'est tout. Mais oui, je me suis vraiment excusé, mais elle... Elle s'est comportée comme une personne folle, moi je ne supporte pas ça. Mais elle n'a pas cette apparence. C'est comme si elle a l'air d'une personne qui a besoin d'aide. Pourquoi ne pas aller lui dire bonjour? Moi, la saluer. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas mauvais. Es-tu sérieuse? Ma meilleure. Hey! Écoute, j'ai à te dire. Je voulais te demander, pourquoi tu ne veux pas m'épouser?
Je vais te demander, pourquoi ne veux-tu pas m'épouser? Hein? Un de ces jours, je serai très riche. C'est le moment où... De tous ces hommes qui existent dans ce monde. De tous ces hommes qui existent... Vas-y doucement, non? C'est toi que je dois épouser. Je suis de ta classe. Tu n'as pas froid aux yeux. Tu es vraiment courageux. Froid aux yeux, mon œil? Avec quels yeux? Aïe, Jésus. Il n'y a que toi qui ne connais pas ma valeur. On dit souvent bonheur à ceux qui connaissent la valeur des autres. Regarde, si je sors là dehors, maintenant, pour acheter du pain ou je ne sais pas quoi, si tu vois ces filles fraîches que j'ai l'habitude de voir chaque jour, elles sont toutes belles avec des formes différentes l'une après l'autre. C'est parce que je viens de te demander ceci que tu me réponds comme ça, hein? Tu ne connais pas ma valeur, c'est pourquoi tu dis je ça. Je suis encore célibataire. Hey. Gabriel. Hey. Gabriel, laisse-moi tranquille. Je veux faire rapport au roi. Oh. Je ferai rapport non. au roi. Non, hey. Mais désolé, non. Désolé, non. je vais te demander, hein, pourquoi est-ce que la princesse... Pourquoi est-ce que la princesse, à chaque fois qu'on la voit, elle est tout le temps fâchée, elle est tout le temps en colère. Toujours avec son visage fermé, là, comme un singe. Donc, je voulais te le demander parce que tu es tout le temps à l'intérieur. Hein, tu comprends, non? Elle est dedans. Tu peux aller lui demander. Ah, je n'ai rien écouté, oh. Mon ami, rentre dans ton poste, promets. Tu sais, ma maman m'a appris à éviter des problèmes. Je savais que ça allait être ainsi. Wow. Ah, bonjour ma chérie. Je peux m'asseoir? T'es libre, tu peux t'asseoir. Comment s'est passée ta nuit? Ça s'est bien passé. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu malade? As-tu appelé le docteur? Non. J'aimerais discuter quelque chose de très important avec toi. Je t'écoute. Ma reine, s'il te plaît, pouvons-nous ramener le climat de paix qui régnait dans cette maison il y a là quelques années? Je t'en prie. Ce n'est pas seulement à cause de moi. C'est à cause du roi, ta mère et moi. Je crois que ta mère t'a dit pourquoi est-ce que je suis fâchée. Oui, elle l'a fait. Bien. Je vais causer avec ma mère. Je vais aussi causer avec le roi. Tout ce que je demande est que nous puissions être ce que nous avons toujours été en tant que famille. Je t'en prie, s'il te plaît. Je ne pense pas que ce sera facile. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. C'est bon, ma reine. Tout ira bien. Bien. Merci. Le déjeuner est servi. Viens te joindre à nous à table. Non. Je veux déjeuner moi-même dans ma chambre. D'accord, je vais demander aux servantes de te la porter dans ta chambre. Excuse-moi. Je t'avais déjà demandé de ne pas t'inquiéter pour elle. Elle est juste en colère. Elle reviendra à elle. Même si c'est le cas, tu dois faire quelque chose, papa. Il faut voir comment ces délais se comportent, papa. C'est effrayant. Je t'en prie, papa, fais quelque chose à propos. C'est d'accord, ma princesse. Mais nous ferons quand même ce qui est le plus important. La chose la plus importante pour l'instant, c'est la famille. Tu m'avais dit que la famille était très importante. Et ça vient avant toute autre chose. Papa, s'il te plaît, trouve une solution avant que ces problèmes ne puissent devenir hors contrôle. Je ne sais vraiment pas comment ces conflits prendront fin. Je ne pense pas, ma chère. Mais nous pouvons toujours espérer. Tu vois de quoi je parlais? Elle a l'air très en colère, papa. Je t'en supplie. Je sais que tu es un roi très sage. Fais quelque chose. C'est d'accord, ma princesse. Je ferai quelque chose à propos de ceci. Je dois me reposer maintenant. Je te remercie, papa.
Oh. Oh. Roméo. Ma tante. Comment tu vas? Je vais bien. Viens ici. Bienvenue. Merci. Mais tu ne m'as pas dit que tu venais. Oui, je ne t'avais pas dit parce que je sais que si je t'avais dit que je venais, tu allais commencer à me donner des excuses, des excuses. C'est pourquoi je t'ai surpris en venant ici. Mais je pense que tu as dit à Déby. Je ne l'ai même pas informé. Oh, vraiment? Oui. Je vais dire à Déby que tu es ici. Déby? Déby? Oui, grand frère. Déby, comment tu vas? Tantine, bienvenue. Tu apparais belle. Merci. Tu ne nous avais pas signalé que tu venais. Exactement ce que je lui ai demandé. Ça, c'est ce que je lui disais. Je n'ai pas voulu que vous soyez au courant. J'ai décidé de ne pas informer à quelqu'un parce que si je lui avais dit, il allait commencer à me donner des excuses. Ne viens pas ça. C'est pourquoi je suis venue. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment tu vas? Oh, mais je ne suis pas contente. Je ne suis pas vraiment contente. Qui a énervé ma tante? Non, toi. Roméo, je dois te demander, pourquoi tu ne t'es pas encore marié? Oh. C'est l'argent? Dis-moi, tu veux tout d'abord avoir 70 ans pour que tu te maries, c'est ça? Ma tante... Ou bien il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire? Ma tante, je... Laisse-moi te dire que j'ai tout le temps du monde d'être ici aujourd'hui. Je t'écoute. Parle-moi. Je t'écoute. Bon, la vérité est que je ne suis pas encore prêt pour le mariage. Je dois me préparer moralement et aussi je dois devenir plus fort pour pouvoir faire face à cette institution du mariage parce que ce n'est pas quelque chose dans laquelle je dois entrer comme ça, vu aussi ce que j'ai vu autour de moi tous ces derniers temps. Est-ce que tu peux l'écouter? Écoute-lui d'abord. Tu n'es pas encore prêt. Dis-moi d'abord, si c'était que tes parents étaient vivants aujourd'hui, et t'entendre dire tout ça. Je ne sais pas comment est-ce que tu veux qu'ils réagissent de tout ce que tu viens de dire ici, que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Attends, vous n'allez pas comprendre. J'ai vécu beaucoup de choses ces jours-ci. J'étais trahi, j'ai le cœur brisé, donc beaucoup de choses. Beaucoup, mais d'accord. Je vais te dire, comme tu as tout le temps du monde, je vais te dire, excuse-moi, j'ai rencontré cette fille. On est ensemble, ça fait déjà un bon moment. Déby, il la connaît et elle vient ici. Mais alors? Bébé, je veux un nouveau véhicule. Je ne veux plus de l'autre. C'est devenu vieux. Mais l'autre, je l'ai acheté à seulement 6 mois. Ça fait déjà 6 mois. Achète-moi un autre. Bébé. D'accord, je vais parler à mon comptable et nous allons résoudre ça. Mon amour. Allô, allô, tu n'aurais pas dû m'appeler. Je suis encore en quête de ces documents. Tu sais quoi? Pourquoi tu ne les kidnappes pas? Je peux faire tous les arrangements. Rome m'aime beaucoup, il est prêt à faire tout pour moi. Moi, je ne l'aime pas, j'ai hâte de partir d'ici. Ok, d'accord. À qui parles-tu? Et c'est quel Roméo que vous planifiez de kidnapper? Calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Tu peux expliquer? Tu es en fait en train de planifier de me kidnapper. S'il te plaît, je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Oh mon Dieu, je suis en train de rêver. Angela! Désolée, ce n'est pas de ma faute. Je ne voulais pas faire ça. C'est le diable. C'est le diable qui m'anime. Ils ont promis de me donner de l'argent. S'il te plaît, je ne voulais pas te faire de mal. Ils t'ont promis une somme d'argent? Oui. Moi, je ne te donne pas l'argent? Non. N'est-ce pas que je te donne tout ce que tu me demandes? Le diable t'a demandé de faire un appel et de venir ici chez moi pour me kidnapper. Désolé. S'il te plaît, pardon. Je vais appeler N'appelle pas la police, s'il te plaît. N'ose pas me toucher. N'ose pas! Je vais te faire... Tu vas le regretter. S'il te plaît, n'appelle pas la police. Pardonne-moi. Roméo. Roméo, ce n'était pas de ma faute. Roméo.
Oh, voilà. Seigneur, je ne savais pas que tu traversais tout cela. Je suis vraiment désolée. Non, ça va, ma tante. Tu sais, ce sont des choses qui, quand elles arrivent dans la vie, c'est pour te fortifier, te rendre plus fort, te faire grandir. Donc, tu vois. Mais pour l'événement qui m'est arrivé, à cause de ça, je vois les femmes comme des démons, comme des sorcières. Excuse-moi? Oui. Femmes sataniques. Le vrai démon. Donc, il faut aussi dire que Debbie et moi, nous sommes aussi sataniques. Non, tu n'as même pas besoin de dire ça. Vous êtes vraiment différentes. Je parle de des personnes que tu ne connais pas, qui viennent dans ta vie. Et ces personnes viennent dans le sens d'être être gentilles avec toi, mais au fond, c'est pour autre chose qu'elles viennent. Laisse-moi te demander, Debbie, si quelqu'un venait ici et dit tout ce que tu viens de nous dire ici, comment est-ce que tu vas te sentir? Debbie est déjà une grande fille. Un de ces jours, elle sera prête. Tout ce que tu es en train de dire que c'est satanique, ce n'est pas bien de le dire. Laisse-moi te dire, nous avons des jolies filles qui existent dans ce monde et qui sont dehors là-bas. C'est juste que tu n'as pas encore eu la chance de te rencontrer avec elles. Pardon. Ma tante, mais comment savoir que ça c'est une mauvaise fille et celle-là est une fille à de bonnes manières? Parce qu'au début c'est toujours bon, elles viennent comme si elles sont gentilles, mais tu vois avec le temps elles te montrent leur vrai visage. Ah. Oh. C'est ça même le problème, il n'y a même pas moyen de savoir qui est cette personne à côté de toi parce qu'au début elles sont toutes comme des anges. Toutes attentionnées, toutes gentilles. Mais après... Roméo, pardon, est-ce que tu peux donner une chance à l'amour? Juste une chance. J'ai pris enfin que ces mauvaises pensées te quittent un jour. Tantine, merci énormément pour tout. Je crois que mon frère trouvera un jour un vrai amour qui le mettra à l'aise. Merci. J'y crois aussi. Voilà, le temps c'est ce dont j'ai besoin, vous ne devriez pas... Pardon, il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a pas vraiment de temps. Je voulais parler juste de mariage aujourd'hui. J'étais vraiment dérangée. Tu sais, Debbie et toi, vous êtes ma seule famille. Et je ne vais pas me tenir vous voir tomber. Pardon, c'est pourquoi je suis vraiment dérangée. Ça va. Je vais y réfléchir. Je vais me déplacer un peu. Tantine, tu m'as emmené quoi? Tout va bien? Oui, maman. J'ai besoin que nous puissions discuter sur un sujet, mais je ne sais pas si tu es dispo. Ok. Je suis là, tu peux parler. Maman. Oui? C'est à propos du sujet que nous avons abordé la fois passée concernant le business familial. Maman. C'est pas comme si je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. C'est juste que j'ai besoin de faire quelque chose qui vient de moi. J'ai besoin de faire quelque chose de différent. S'il te plaît. Je t'en prie, comprends-moi, maman. Princesse, ce n'est pas que je ne te comprends pas. Je veux aussi que tu comprennes, c'est pourquoi nous parlons ici. Ce sont le bien de la famille, notre trésor. Tu préfères que ton père aille chercher quelqu'un d'autre dehors pour venir le faire pendant que toi tu es capable de le gérer même quand ton père ne sera pas là? C'est ce que tu préfères? Maman, c'est pas ce que j'essaie de dire. Et si alors j'ai créé ma propre firme? Ça sera aussi un business familial. Que dis-tu de ça? Ce que je veux, maman, c'est créer quelque chose d'autre pendant que mon père s'occupe du business familial. S'il te plaît. Tu crois que tu ne seras pas en mesure de le faire? Non. Ne penses-tu pas que ça sera trop pour toi? Est-ce que tu réalises que tu es une femme? Et qu'un jour tu vas te marier et avoir tes propres enfants. Avec les capacités que tu as, tu penses que tu seras en mesure de gérer ton mariage, les enfants, cette famille, ta compagnie et tout ce qui vient avec. Tu penses que tu seras capable de le faire? Hmm? Maman, je comprends que tu t'inquiètes pour moi. Merci. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça. J'aimerais te demander une chose. Princesse, parle. S'il te plaît, peux-tu m'aider à causer avec papa?
Essaye de lui parler, maman, et fais-lui comprendre mon point de vue. Princesse? Ok, je vais parler avec ton père, mais ne me demande plus notre faveur, puisque ça, c'est la dernière fois que je le fais pour toi. Je croise le main, maman. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime. Je crois que maintenant tu es russe. Oui, maman. Cet endroit est merveilleux. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas venir ici? Mais tu es déjà là, hein? N'est-ce pas? T'inquiète pas pour moi. Je pense que je vais trouver quelqu'un quand je serai assez prêt pour ça. Ok, parlons de ça. Regarde qui est là. Derrière moi. Elle a l'air plutôt joyeuse aujourd'hui. Que Dieu bénisse cette personne qui l'a mise dans cette humeur aujourd'hui. Je t'avais dit, elle n'a pas cette apparence. Va lui parler. Lui parler? Parler de quoi exactement? Tu veux que j'aille lui dire quoi? J'ai un plan. Approche-toi. Ça, non. Mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? T'as raison. Pourquoi ne pas commencer par connaître là où elle habite? Mais pourquoi tu tiens trop à cette fille, hein? Je n'arrive pas à comprendre ça. Je l'apprécie. Elle est très belle. Ok, je vais faire ces jeux fous avec toi alors. Il y a des choses que j'aimerais modifier dans la cuisine. Tu en penses quoi? C'est bon avec moi, sauf que c'est toi qui es très occupé. Attends, je ne crois pas que tu veux laisser tout ce travail à cause de moi. Voici la demoiselle en question là derrière toi. Je crois qu'elles sont en train de partir. Oui. Cet endroit ressemble exactement à un palais royal. Tu penses à ce que je pense? Tu veux dire qu'elle est une princesse ou quoi? Oui. Ce jeu devient de plus en plus intéressant. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Je pense même abandonner. N'y pense même pas. S'il te plaît, tu n'iras pas. Mais que dois-je faire alors? Entame le plan. Mais ça n'a aucun sens. Quel plan? Je ne connais pas cette femme. Je t'avais dit ça avant. Je ne la connais pas. Alors c'est une opportunité. Vas-y, fais-le. Tu vas beaucoup l'apprécier, je te dis. Ah, c'est pas normal. Puis-je au moins d'abord réfléchir sur le plan que tu as? Non, tu n'y penses pas. Nous y sommes déjà. S'il te plaît. Mais toi, tu deviens vraiment agaçante. Je sais. Alors, pourquoi ne pas manger quelque chose? Je suis très fatiguée, je te dis. Tu es vraiment sérieuse pour elle. Oh, Debbie, au revoir. D'accord. On se voit quand on se verra. Longue vie, Sa Majesté. Mon soleil brillant. Ma reine. Ma femme, tu es très belle aujourd'hui. Merci. Sa Majesté, je suis venue pour... Je veux que nous discutions d'une chose. Je peux? Tu peux parler librement, ma reine. C'est à propos de la compagnie de notre fille. Elle m'a dit qu'elle a deux ou trois choses à te dire avant de se mettre dans le business de la famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec les affaires familiales? Sa Majesté, tu es toujours en charge de ses business. Pourquoi tu ne lui laisses pas faire ce qu'elle veut avant de rejoindre
ce business de la famille, s'il te plaît. Ça serait vraiment exagéré, ça. Ne lui as-tu pas dit cela? Je le fais, mais elle m'a demandé de lui donner le temps. Est-ce que tu peux lui faire confiance, s'il te plaît? Donne-lui la chance. Je te dirai ce que j'en pense. Merci beaucoup, Sa Majesté. Laisse-moi aller reprendre ce que je faisais avant que je ne vienne ici. Merci. Sens-toi à l'aise, ma reine. Merci. Merci beaucoup, ma chère. Sa Majesté. Je pense qu'il est grand temps de lui dire. S'il te plaît, appelle la princesse. Adoré. Oui, ma reine. Et après la princesse. Merci beaucoup, Sa Majesté. Oui, tu as raison, Sa Majesté. Je vais le lui dire. Papa, maman, vous m'avez appelé. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Pas du tout, ma chère fille. Ta mère et moi avons décidé de te donner une chance de créer ton propre business. Nous sommes confiants que tu ne nous laisseras pas tomber. Papa, oh. Oh. Je t'en prie, je t'aime beaucoup. Oh, maman, merci. Merci beaucoup. Ok, bien, il n'y a pas de souci. Je t'y suis reconnaissante, maman, merci. Et j'ai dit également à ton père que tu as finalement décidé de prendre en charge le business familial. Maman! Oui. Papa, à mon honneur, je promets de ne pas vous décevoir. Je ferai de mon mieux. Je sais. Je crois en toi, ma chérie. Et ceci demande une célébration. Bien sûr. Ouais. Un toast. Je suis très contente. Je te crois. Papa. Mmh. Ah. Mmh. Donne-moi ça, maman. Wow. Oh. Merci. Je t'en prie. Y a des quoi? Je suis contente. Je suis très contente, maman. Gabrielle, Gabrielle, mais où est encore parti ces portiers? Il ne fait rien de bon dans ce palais. Gabrielle, Gabrielle. Ah, non, mais sérieusement, Gabrielle, Gabrielle, voilà, tu te mets à crier mon nom, je suis ton ami, hein? Non, mais franchement, il n'y a pas de respect dans ce palais. Tu vois là, Gabrielle, Gabrielle, je suis ton ami, savez-vous que tu blagues? Hein? Tu cries mon nom, Gabrielle, Gabrielle, comme si c'était toi les papas qui m'avaient donné ce nom. Hein? C'est à toi que je demande. Elle n'a plus rien à dire, regardez-la. Si tu fermes ta bouche et ouvres pour moi le portail. Hein? Tu ne sais pas tenir ton poste. Tout ce que tu sais faire dans ce palais, c'est manger. Ouvre-moi le portail. Bien. Attends, tu veux dire que tu ferais mieux le travail que je suis en train de faire. D'ouvrir ce portail et de le fermer. Hein? Pendant que ton intérieur mange de la bonne nourriture puis dormir. Hein? Hein? Oh, tu penses que c'est facile pour moi d'ouvrir et de fermer ce portail à chaque fois? Ou que c'est facile de rester ici et travailler à chaque fois. Je fais face à n'importe quoi, ici même. Je fais face à des combats physiques et spirituels. Qu'est-ce que tu as de grave comme tâche? Si ce n'est de veiller au portail et de nettoyer cette parcelle, qu'est-ce que tu as encore d'autre à faire? Qu'est-ce que tu fais encore à faire? Mais c'est bon, non? À chaque fois que tu me donnes la bonne nourriture, alors je ferai encore bien mon travail. Mais quand tu prépares ce poison, cette nourriture de merde que tu appelles nourriture, que tu me donnes, qui me fait souffrir, qui me rend malade et qui me rend comme un mal nourri. Hein? Comment est-ce que tu es vraiment méchante? Pourquoi tu n'arrêtes pas de manger cette nourriture? Pourquoi tu continues de les manger puisque c'est du poison pour toi?
Pourquoi tu... Je sais. Il m'a été révélé que ton plan est de me tuer. Mais les dieux ne te permettront pas de me tuer. Tu ne me tueras pas. Comment gagner du temps? Ouvre le portail. Si j'ai dit non, sache que je ne peux même ne pas l'ouvrir. Je vais ouvrir cette porte pour une seule raison. Parce que quand tu seras en train de partir, je vais juste regarder tes derrières. C'est ton derrière que je vais regarder. Attends. Écoute. Si tu sors là dehors maintenant, tout homme qui va t'arrêter en chemin pour te parler, tu ferais mieux lui dire que tu as déjà un mari ici haut. Que la foudre s'abatte sur toi. Quel stupide mari. Regardez-moi ça. Regarde. Pas la peine de faire ces têtes, hein. Tu finiras quand même par être ma femme un jour. Tu me donneras beaucoup d'enfants. T'en fais pas. Plus ou moins 5 enfants. Si j'attrape tes derrières là, je vais... Je vais bien les presser. Idiote. Hein? Cette fille est fraîche, oh. Gabriel, elle m'écrit dessus. Ma reine, vous m'avez appelé? Va m'afficher un papier sur le portail. Écris sur le papier que j'ai besoin d'une cuisinière ici au palais. Je suis fatiguée de manger du n'importe quoi dans ces palais. Tu peux partir. Parfait, ma reine, je le fais tout de suite même. Va dire à cette fille de me préparer quelque chose de bien. J'ai envie de manger. D'accord, ma reine. Comment puis-je vous aider? Bon après-midi, monsieur. Écoutez. Si vous êtes là pour mendier, sachez que ça ne marchera pas. Le roi n'est même pas là. Donc allez-vous-en. Non, messieurs, nous ne sommes pas là pour mendier. Nous sommes là pour voir la reine. Oh, juste parce que j'ai dit que le roi n'était pas là, maintenant vous voulez voir la reine, n'est-ce pas, hein? Hein, c'est ce que vous voulez faire. Ok, la reine n'est pas là. Et même la princesse, elle n'est pas là non plus. Mais pouvons-nous entrer pour attendre? Es-tu malade? Tu n'entends pas ce que je dis? Es-tu sourde? Écoute, laisse-moi te dire, hein. C'est moi le chef de la sécurité de cette parcelle. Hein? C'est moi qui ai le droit d'ouvrir la porte à n'importe qui pour entrer. Et ça, même le roi le sait très bien. S'il vous plaît, vous cherchez qui? Et c'est la même question que je les pose. Elle ne dit toujours rien. Désolé, bon après-midi. Bon après-midi. Nous sommes là pour voir la reine. Notre but ici, c'est pour le travail de cuisinier. Nous avons postulé pour le travail de cuisinier au palais. La reine sera très contente de te voir. Tu peux entrer. Bien. Es-tu normal? Merci. Allez, merci. Dégage. Merci. Donc maintenant, tu laisses ton travail pour venir faire du bien, c'est ça? Ne te préoccupez pas de lui, c'est un clown. Hein? J'ai juste... Oui, un clown. Regarde, hein, ce gars-là... Les jours que je fais ces trucs et tu bouges comme ça, là. Les jours que je vais cogner dessus. Hein? Entrez. Ma reine, vous avez de la visite. Bonjour, ma reine. Mes salutations, ma reine. Votre Majesté, ces gens sont venus à votre rencontre. Ils sont venus pour le poste de cuisinier. Alors, c'est quoi votre nom? Et qui d'entre vous est cuisinier? Je m'appelle Peter. Et je suis là avec ma sœur. Elle s'appelle Peace. Nous venons de l'état des River. Avez-vous déjà servi une famille royale auparavant? Votre Majesté, je n'ai pas vraiment rendu mes services, pas vraiment beaucoup. Mais ma défunte grand-mère était cuisinière. Et une très grande et reconnue cuisinière dans notre état. Et j'ai resté avec ma défunte mère. Alors faire la cuisine est dans nos gènes. C'est vraiment quelque chose de familial. Ne penses-tu pas que c'est un risque? Tu sais, nous faisons tout en ordre ici dans ce palais. Nous préparons selon les nombres. Alors, pourquoi ne pas partir maintenant? Ma reine, s'il vous plaît, nous avons besoin de ce travail, je vous en prie. Nous sommes vraiment de cuisiniers. Oui. Nous allons vous l'éprouver. Vous allez voir, ma reine, s'il vous plaît. Donnez-nous une chance. S'il vous plaît, votre majesté. On ne va pas vous décevoir. Que je vous accorde une chance? Ok. Je vais vous l'accorder, mais juste une erreur. Je vous mettrai à la porte. Bien sûr. Rita. Oui, ma reine. Accompagne-les là-bas, montre-leur la cuisine. D'accord, ma reine. Merci, votre majesté. Merci. Encore une chose, j'aime que ma nourriture soit servie à temps. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas de me demander. D'accord, ma reine. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma reine. Merci. Merci. Altesse.
Ils aimeraient vraiment savoir quels sont vos plans à propos de... Le gouvernement fédéral nous demande de leur donner une partie de notre terre. Et comme leader de la jeunesse, et je suis là devant vous pour savoir ce que vous pensez de tout ça. Vous savez, leur donner la terre n'est pas seulement le problème. Mais quel est leur plan? Et cette terre, ils en ont besoin pour quoi? Pour combien de temps? La question. Mon roi, je vais suggérer ceci. Pourquoi ne pas inviter ces gens au palais? Essayons d'inviter leurs investisseurs. Essayons d'écouter leurs propositions. Et essayons de découvrir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Vous avez tous donné des très bonnes idées. Et laissez-moi vous dire que vous avez très bien parlé comme des sages. Merci beaucoup, roi de notre terre. Mais je pense que nous devrions encore continuer d'y penser. Et de nous assurer que nous sommes conscients de toutes les décisions que nous pouvons prendre. Parce que nous devrions prendre le temps d'écouter à nouveau ces investisseurs. Dans ce cas, votre majesté, la jeunesse est fière de vous. Nous sommes très heureux de comment vous dirigez cette communauté. Que le Seigneur puisse vous bénir encore. Amen. Et pour ma part, laissez-moi aussi vous dire, je suis vraiment très heureux. Et voilà pourquoi d'autres communautés sont jalouses de nous. Nous avons un vaillant Igwe qui prend parfaitement soin du peuple de notre communauté. Voilà pourquoi je souhaite que votre reine demeure. Et je déclare que le bon Dieu soit toujours avec toi, qu'il te guide et que tu prospères. Nous souhaitons que votre héritage demeure jusqu'aux nouvelles générations. Nous allons toujours parler de vous et de vos bonnes œuvres à nos petits-enfants. Nous sommes très heureux de vous avoir connu. À quoi s'attendre de plus? À quoi s'attendre de plus alors que nous avons un Igwe aussi sage et aussi puissant que celui que nous avons? Il n'y a que ça à quoi nous pouvons nous attendre. Et essayons d'observer tous les royaumes autour du nôtre. Hein? Vous découvrirez que nous sommes 10 fois plus loin. Bien plus loin. Je dirais même plus de 10 fois. Igwe, je vous remercie. Que tous tes ennemis s'agenouillent devant toi pour une raison. Je suis heureux de ce que vous êtes tous heureux. Et je prie que nous vivions tous longtemps pour manger et boire de notre dur labeur. En parlant de manger, la reine a quelque chose pour nous. Je le savais. Je le savais. Voilà pourquoi quand j'ai un programme de venir visiter les grands Igwe, je préfère ne pas manger chez moi. Parce que je sais que chez les grands Igwe, il y a toujours beaucoup de repas. Mais pourquoi aimes-tu tant manger? Nous avons vraiment plus attendre, Igwe. Vous êtes vraiment notre roi. Vraiment, tu as raison. Bien, allons maintenant dans la salle à manger. Oh, c'est que j'attends. Moi, je suis toujours le premier. Pourquoi aimes-tu tant manger? En tout cas, toujours un plaisir d'être ici. Réveille-toi. C'est déjà le temps de faire le petit déjeuner. Toi, tu continues de dormir. Y'a quoi? Lève-toi. Tu peux aller le faire. Tu sais très bien que je n'ai pas bien dormi la nuit passée. Je veux juste dormir encore un peu. Ok. Je vais juste dire à la reine que tu n'as pas l'amabilité de tenir ce poste. Qu'est-ce que tu vas aller dire à la reine? N'est-ce pas toi qui m'as mis dans toute cette histoire? Et n'oublie pas de lui dire la vérité, que c'est toi qui m'as mis dans tout ça. J'ai appris que la princesse est rentrée de son voyage. Oui, je vais me rassurer à faire son premier petit déjeuner. Et je mettrai beaucoup de sucre. Comme ça, la reine va te virer. Tu es vraiment contre moi? Eh non, je fais ça pour te mettre devant tes responsabilités. Ok, vas-y, va à la cuisine. On va se voir là-bas, j'arrive. Qui es-tu?
Mon nom est Peter. Je suis le nouveau cuisinier du palais. C'est depuis quand que tu travailles ici? J'ai commencé la semaine passée. Et vous n'étiez pas là quand j'ai commencé. Et? Comment s'est passé le voyage? Excuse-moi. C'est moi qui pose des questions. Tu es là uniquement pour répondre. Je t'ai juste démonté. Ça fait combien de temps depuis que tu travailles ici? Je suis vraiment désolé. Ça ne se fera plus jamais. Parfait. Et où as-tu appris cela? Je l'ai appris de ma défunte mère. Elle était une grande cuisinière. Sache que ce n'est pas assez. Ici, c'est le palais. Et tu dois te rassurer de ne pas nous servir du poison. En nous servant de la nourriture qui n'est pas bien cuite, qui n'est pas bien préparée et qui n'est pas équilibrée. Est-ce que tu m'as compris? Oui, ma princesse, vous ne servirez jamais du poison. Tu as intérêt. Pars. Reviens ici. Et les jus? Gabriel, tiens ta nourriture et de l'eau. Ok. Tu n'as aucun respect? Allez, tiens. Tu ne sais pas respecter les gens? Hein? C'est à toi que je parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me demandes ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand on te dit que je suis chef de la sécurité? Je suis ton ami. Ok. Peut-être à la prochaine fois, je dirai le chef de sécurité. Où est-ce que tu penses que tu veux aller là? Combien de viande tu as mis ici? Tu as l'assiette devant toi. Tu n'as qu'à l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Ah ah! Seigneur! Juste une seule viande! Pourquoi? Une chef de sécurité comme moi? Hein? Gabriel, si tu as un quelconque problème avec ce repas ou la viande, pourquoi tu ne le dis pas à la reine? Depuis le jour où tu es venu ici, hein, on m'a instruit de toujours mettre pour toi un morceau de viande avec une bouteille d'eau. Ruta, je sais, je comprends maintenant. C'est sorcière. Donc cette sorcière t'a demandé de mettre une viande pour moi et voilà que tu l'as vraiment cru que tu as mis une viande pour moi. Cette viande qui ressemble à un vrai chinchard. Hein? Cette viande qui ressemble à un chinchard, tu l'as mis pour moi. Réponds à la nourriture, vite. Gabriel, je ne suis pas venu ici pour ce genre de drame. Si tu ne veux pas le manger, pourquoi tu ne... Non, je vais te gifler, regardez là. Tu ressembles à n'importe quoi. Regardez là. Hé! Hey. J'avais causé avec le roi concernant notre sujet de l'autre fois. Et il était d'accord avec le condition. J'espère que les choses vont changer cette fois-ci. C'est vraiment amusant. Je suis contente que les choses redeviennent à la normale dans cette maison. Mais tu sais que je t'aime. Je t'aime énormément. Je t'aime aussi, ma reine. Je veux juste que les choses rentrent à la normale, que nous soyons heureux. Oui. Que penses-tu de ces nouveaux cuisiniers? Pour une fois, nous mangeons bien dans cette maison. Oh, reine mère! Ah, c'est vrai, non? On est mangé plus bien dans cette maison. Une personne affamée ne le restera pas pour toute sa vie. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Où est-ce que tu serais aujourd'hui si tu n'étais pas ramassée dans la boue avec ton bâtard de fils? Qu'est-ce que tu deviendrais aujourd'hui? Hélène, je t'avertis que ce soit la dernière fois. Je te dis maintenant, rassure-toi que tu le mettes en pratique. On dirait que tu avais un quelconque pouvoir. Je te dis, Hélène, je t'ai bien avertie. Hélène, je t'ai bien parlé, sinon tu verras ce que je te faire dans cette maison. Je dis que je verras ce que je vais te faire. Tu défies qui? Tu défies qui? Tu ne vaux rien. Hélène, tu verras ce que je te fais dans cette maison. Tu verras très bien. On verra. Tu veux faire sur un bâtard dont on ne connaît pas le père? N'importe quoi. Tu penses que je ne le sais pas? On verra bien. Va en enfer. Il va vous diriger. Pourquoi je ne peux pas diriger les affaires de mon fils jusqu'à ce qu'il grandisse? Ça, c'est impossible. Je suis encore en vie. Je ne vais pas partager ma propriété. Tu fais partie de cette famille. Et tu as aussi le droit sur cette compagnie.
Mais la différence ici est que la princesse dirigera la compagnie. Ma reine, s'il te plaît, pouvons-nous ramener la gaieté et le climat de paix qui régnait dans cette maison, je vous en prie? Pitié. Ce n'est pas seulement à cause de moi, c'est aussi à cause du roi, ta mère et moi. Je crois que ta mère t'a dit pourquoi est-ce que je suis fâchée. Oui, elle l'a fait. Bien. Je vais causer avec ma mère. Je vais aussi causer avec le roi. Tout ce que je te demanderai est que nous puissions redevenir ce que nous avions toujours été. Une vraie famille. Je t'en prie, s'il te plaît. Je ne crois pas que ça sera facile. Mais c'est bon avec moi. Sois calme. Tout ira bien. Bien. Merci. Je... Quelle bêtise! Donc parce que mon fils n'a pas le sang royal, il ne peut pas bénéficier de quelque chose? Mais il est encore trop jeune. Même si c'est le cas. Donc c'est la princesse qui doit parler au roi pour qu'il fasse quelque chose? C'est une insulte à mon égard. Qu'est-ce que je peux faire? Bonjour ma reine. Le roi a besoin de votre présence maintenant. Tu peux partir. Ma reine. Je comprends ta colère. Mais je veux que tu saches que la princesse est parfaite pour cette position. Ton fils aura bien droit à ce qu'il mérite. Mon roi, je sais que tu es un homme sage. Mais qu'est-ce que je dirai à mon fils lorsqu'il va grandir? Toi et moi savons bien qu'il n'a pas le sang royal. Et je ne veux pas qu'il ne bénéficie de rien. Sur ce problème, j'ai déjà fait des provisions pour toi et lui. Souviens-toi du premier jour que je t'ai vu. Je t'avais promis de bien prendre soin de toi ainsi que de ton fils. Je respecterai ma parole. Car sache que je n'en ai qu'une seule. Merci beaucoup, mon roi. J'ai beaucoup apprécié. Tu peux partir. Merci énormément. De rien, mon roi. C'est bien toi que je cherche. Hé, arrête-toi là. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses dire à la nouvelle cuisinière de mettre juste une viande pour moi? Pas seulement une seule viande, mais celle qui ressemble à un chien-char. Écoute, Gabriel. Gabriel, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour ce genre de drame. Je ne suis pas du tout d'humeur. Tu n'es pas d'humeur? Oui, je ne veux pas de problème. J'ai beaucoup de choses à faire. Ok, je vais te demander. Quelle est cette chose que moi je t'ai fait dans ce palais? Je ne t'aime plus du tout. Je ne t'aime plus du tout. Plus du tout. Tu commences à perdre ton temps. Regarde, laisse-moi tranquille dans ce palais. Oh. Tu deviens fou. Je suis fou. Entre toi et moi, qui cause des problèmes dans ces palais? Hein? Écoute, laisse-moi te dire. Hein? La prochaine fois que tu me déranges encore dans ces palais, j'ai dit bien la prochaine fois, je ferai rapport à la reine. Va juste essayer ça. Je vais te frapper, blague à boum. Tu comprendras même. Es-tu malade? Ce serait devenir folle. Regarde-toi, idiote. Tu te surnommes fille sexy, mais alors que tu ne sais même pas faire la cuisine. Ou même laver tes habits. Tu ne sais rien faire du tout. Et en plus, tu ne sais même pas la veste que tu portes là-bas en dessous de tes vêtements, idiote. Tu viens de tourner le dos au chef de la sécurité officielle en ce moment même. Je vais aller chercher cette nouvelle cuisinière. Cette fille est très fraîche, elle a des très jolies derrière. Oh, je vais aller la chercher, hein. Idiote. J'avais beaucoup pensé à notre dernière réunion. Et je pense que c'est une bonne idée si nous invitons les investisseurs ici pour leur parler un peu. Ça sera merveilleux, mon roi. Et quand est-ce que nous allons les écouter, mon roi? Très bientôt, j'organiserai une réunion. Afin que nous puissions tous en être au courant. Mes reines seront également présentes. Oh, ça sera vraiment bien. La jeunesse est solidement derrière vous, mon roi. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir vos plans merveilleux, mon roi. C'est gentil. Oui, mon roi. Tu as dit que tu te maries bientôt? Oh! Comment planifies-tu cela? Mon roi, le mariage est encore dans beaucoup de temps. Et nous sommes en train de mettre toutes sortes de préparations en place pour cela. Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésite même pas à me le dire.
Oui, bien sûr, mon roi. Surtout, n'hésite pas. D'accord. Je suis là pour t'aider. Je les saluerai, mon roi. Je crois que je vais partir maintenant, mon roi. D'accord. Ma princesse, vous voulez quelque chose? Qu'est-ce que tu dis? Vous voulez que je puisse vous aider en quelque chose? J'ai juste demandé si vous avez besoin de quelque chose. Si je peux vous aider. Et en quoi ça te concerne si j'ai besoin de quelque chose? Ça, c'est ma maison. C'est la maison de mon père. Et j'ai pleinement les droits de me rendre n'importe où et à n'importe quel moment que je le voudrais. As-tu un problème avec ça? Non, absolument aucun problème avec ça. Et bien sûr que non, je nie le fait qu'ici c'est la maison de votre père, je sais. Parfait. Je me préoccupe juste de votre bien-être. En fait, j'ai demandé si vous aviez besoin de quelque chose pour que je puisse vous aider. Je suis juste préoccupé par votre bien-être. Je ne veux juste pas que vous puissiez trop vous amuser. La reine va vraiment me blâmer pour ça. Alors je demande encore. Vous voulez que je puisse vous aider en quelque chose? Je vais gentiment le faire pour vous. Je crois déjà t'avoir vu quelque part. Est-ce qu'on s'est déjà croisé? Je ne pense pas que vous ayez déjà croisé un cousinier comme moi. Mais alors, ce serait le rêve de tout homme de rencontrer une belle femme comme vous. Il y a quelque chose avec toi. C'est juste que je n'arrive pas à les détecter. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est déjà croisé quelque part. Bon après-midi, ma princesse. Avez-vous besoin de quelque chose? Un verre de lait. D'accord. Apporte-les dans ma chambre. Merci. Oh, désolé. Es-tu malade? Mais pourquoi autant d'amertume, mademoiselle? Je viens de dire je suis désolé. Es-tu stupide? Ou disons, c'est l'attention que tu cherches? Excuse-moi? Chercher de l'attention chez toi? Sais-tu qui je suis? Et qui es-tu? Tu es un idiot. Allez, disparais de ma vie. Tu es un imbécile. Dégage! Tu peux imaginer ça? Pauvre idiot. Je suis désolé. Mais qu'est-ce qu'elle a cette fille? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Comment oses-tu parler à mon homme de la sorte? C'est bon, je te l'envoie dès que j'ai fini. Et c'est elle que je veux le dire. Espèce de folle. Ordure. De quoi discutiez-vous avec la princesse? Rien que tu dois vraiment savoir. Tu commences à me cacher du secret maintenant. Bien, je reviens. Sache que je te tiens à l'œil. J'ai mes yeux sur toi aussi. Ouf. Salut, Sa Majesté. Salut, ma reine. Tu peux t'asseoir. Sa Majesté, vous avez l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, ma reine. Où est la princesse? Je crois qu'elle doit être dans sa chambre. Dois-je l'appeler? Non. Laisse-la se reposer un peu. Mais n'oublie pas de lui dire que j'ai décidé d'inviter les investisseurs. Ils seront ici à 9h demain. Les anciens également seront ici. Pareil pour les avocats. Alors sa présence est vivement obligatoire. Ok, bien, je le lui dirai. Je veux aussi me rassurer que la table soit prête. Tu as toujours fait ça. Et je t'aime plus quand tu fais ça. Tu as tellement un bon cœur. Merci, Sa Majesté. Tu es un roi sage. Un père attentionné et un mari très aimable. Je t'aime beaucoup. Je ne serais rien de tout ça si ce n'était pas toi. Alors merci, ma reine. Merci. Laisse-moi aller déjà commencer à prêter les choses pour Parfait. Demain. À tantôt. Comment oses-tu? Comment oses-tu toucher à mes papiers? À
As-tu perdu la tête ou quoi? Je suis désolé, ma princesse. Est-ce que cet endroit ressemble à la cuisine? Non, ma princesse. Je pensais que vous avez terminé la lecture. J'ai ramassé ces papiers pour vous aider. S'il vous plaît, je suis désolé. Dépose-le. Et disparaît de ma vue. Et n'essaye plus jamais de toucher à mes affaires. Je suis désolé. Dégage! Qu'est-ce que tu as encore fait, toi aussi? Je n'ai rien fait du tout. J'essaie juste de l'aider à ranger la table. Je te comprends. Je suis certaine que ce n'était pas de son intention de crier sur toi. C'est parce que tu n'as pas vu ses yeux. Elle était une personne totalement différente. C'est pas facile. T'inquiète, ça va aller. Est-ce que tu as déjà mangé? Je me préparais déjà à aller manger, juste avant ça. Mais là, je crois que je viens de perdre tout l'appétit que j'avais. Fais un effort de manger, hein? T'inquiète, ça va aller. Ok, qu'est-ce que tu aimerais manger? Des cocombas ou la soupe? Arrête-moi ça. T'inquiète, te dérange pas pour ça. Quand elle sera dans sa peau, elle ne va même pas se rappeler de ce qu'elle vient de te faire. Mais pourquoi elle se comporte comme ça? Je veux dire, ça c'est méchant. Désolée. Viens, on va à l'intérieur. Ça va aller. Hein? Peter? Oh, ma princesse, vous voulez quelque chose? Pouvons-nous parler? Oh, je peux aller préparer tout ce que vous voulez, maintenant même. Non, tel que je suis là, je n'ai besoin de rien. Je veux juste que nous puissions causer. Parler. C'est au sujet de ce qui s'est passé aujourd'hui matin. Je n'aurais pas dû te crier dessus comme je l'avais fait. Je suis vraiment désolée. C'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête. Ah. Des fois, ça me rend nerveuse et des fois aussi stressée. Tu sais, c'est vraiment pas facile pour moi. Je suis désolée. Je suis également désolée. Je suis également désolée. J'avais juste pensé que vous aviez déjà terminé votre travail sur la table avec le vent, la pluie, les oiseaux, tout ce qui est ces choses. Donc je voulais seulement vous aider. Je ne savais pas que cela allait vraiment vous énerver comme ça, alors pardonnez-moi aussi. C'est bon. C'est plutôt à moi de m'excuser et pas toi. Je n'avais pas de raison de crier sur toi comme je l'avais fait ce matin. Non, ma princesse, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je ne suis personne. Non, ça ne fait rien. En passant, vous avez dit que vous avez beaucoup de choses dans la tête, alors c'est quelque chose que vous aimeriez partager? Je peux vraiment vous aider, alors dites-moi s'il vous plaît. C'est au sujet de la famille. Ça concerne le business familial. À propos, mon père veut que je sois à la direction de cette entreprise. Et de l'autre côté, j'ai l'intention de créer ma propre firme. Donc tu vois, c'est pas du tout facile pour gérer les deux. Mais je vais me débrouiller, ça va aller. Je peux le faire, oui. Ok, alors, il s'agit de quel genre d'affaires là que tu veux? Oh, c'est dans la gestion des immobiliers. Je veux quelque chose de grand. Oh, c'est la gestion immobilière? Oui. Je connais un ami à moi qui a une grande entreprise. La gestion immobilière, il a beaucoup de maisons. Alors très souvent, je lui rends visite. Et j'ai aussi appris un peu de ce qu'il fait quand je le vois gérer ses biens immobiliers. Alors, je pense que je peux t'aider avec le peu que je connais, si ça ne te dérange pas. Es-tu sûr que tu peux? Oui, pourquoi pas, je peux. Si tu as des doutes sur moi, on peut commencer demain après le travail. En tout cas, je serai très ravi. Merci. Vous en prie. Je vous en prie. Ouais. D'accord, madame. Alors, demain. Demain. On commence.
J'ai fait appel à cette réunion parce que je veux que tout le monde soit bien au courant de cela. Kate, voici la farde. Le document à l'intérieur est le résultat de 20% des actions de la compagnie vient d'être donné à toi et à ton fils. Et également deux autres états ont été ajoutés en même temps. Prends-le, signe-le et envoie-le aux avocats. Merci énormément, mon roi. Mon fils et moi avons vraiment apprécié. Mais nous refusons, mon roi. Mais pourquoi? On avait déjà parlé de ça, rappelle-toi. Et tu étais d'accord avec cette idée, ma reine. Ce n'est pas pour rien que j'ai refusé. Je refuse parce que cette famille a beaucoup fait pour mon fils et moi. Nous avons apprécié l'amour que vous nous avez toujours montré. Et je ne suis plus intéressée à ce 20% de bien familial. Je suis l'une de cette famille. Nous sommes un. Alors pourquoi dois-je le faire? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous demande pardon, mon roi. S'il vous plaît, je suis désolée. Je vais aussi profiter et présenter mes excuses pour les discordes que nous avons eues. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour t'avoir mécompris. Je te prie de me pardonner. J'en regrette beaucoup. Ma reine, je suis très fière de toi. Merci beaucoup pour ta compréhension. Est-ce que ce que je vois est vrai? Je suis très contente. Oh, mon roi. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air très fatigué. Bon, toutefois, j'ai une nouvelle pour toi. Ouais, mais je t'ai dit que tu n'es pas la seule personne ici à avoir une bonne nouvelle, je t'ai dit. J'en ai une aussi. Ok, vas-y. Ok, la princesse est venue d'elle-même s'excuser. Je t'avais dit. Ce n'est pas tout. Ok. Elles m'ont également dit qu'elles voulaient plonger dans la gestion des biens immobiliers. Et je... Mais c'est ce que ta compagnie fait. Tu vas trop vite, ma sœur. Je n'ai pas encore terminé. Alors, elle m'a dit, je vais l'aider à commencer sa propre entreprise. Lui as-tu dit que tu as une compagnie? Non, comment puis-je faire une telle chose? Je lui ai dit que c'est l'entreprise de mon ami. Et mon ami va l'aider avec toutes les procédures. Ok, parlons à propos. Ton ami, qui est le manager du compagnie, t'a appelé pour te dire que tu as un mois. Alors, ton un mois de vacances est arrivé à la fin. Tu n'as qu'une semaine pour retourner au travail. Oh, il semble que mon absence l'a rendu trop patron là-bas au sein de l'entreprise, tu vois. Il parle à son boss n'importe comment. Et tu ne devrais pas oublier que c'est moi qui suis au paiement. Je lui paye son salaire chaque mois. Et je décide quand revenir au travail. Ah, d'accord. Okay. Moi, je m'en vais. Merci. Doucement là-bas, oh, doucement. Elle ne m'a même pas dit c'est quoi sa bonne nouvelle. Ok. Ok. Elle doit avoir oublié. Je veux savoir ce qui se passe entre toi et le cuisinier. Maman, ce garçon n'est pas qu'un simple cuisinier. Il est intelligent, il est brillant et très sage, maman. Peux-tu imaginer que c'est lui qui m'a aidé à finir mon projet, maman? Et comment il est informé de tous ces projets? Tu ne vas pas y croire.
Honnêtement, il a fait un très grand travail, maman. Je suis ravie de l'avoir croisé. Il m'a vraiment aidé à finaliser mon projet. Bonjour, papa. Bonjour, ma princesse. Y a-t-il quelque chose qui te dérange? J'ai trouvé ça difficile d'interpréter ton humeur dernièrement. Papa, tu as ces royaumes et beaucoup d'autres choses auxquelles tu dois t'inquiéter, et pas moi. C'est vrai, j'étais toujours connue en tant qu'une femme très forte, une femme très tenace. Quel que soit ce que c'est, je sais que tu peux le résoudre. Mais souviens-toi toujours, tu es du sang royal. Merci infiniment, papa. Je t'en prie. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Je m'en vais. J'ai essayé de parler à Cherish, mais elle a refusé de me dire ce qui la dérange. A-t-elle pu au moins te le dire à toi? Non. Elle ne m'a rien dit. Ils se sont tellement rapprochés. Peut-être qu'elle lui a dit quelque chose. Je sais que nous allons le découvrir. Je t'en prie, fais-le, fais-moi signe. Je le ferai, Sa Majesté. S'il te plaît, fais-le et fais-le-moi savoir. T'a-t-elle dit quelque chose? Pas du tout. Mais je suspecte quelque chose entre elle et le cuisinier. C'est sûr qu'ils sont amoureux ou bien quelque chose de semblable. Ça, ce n'est juste pas possible. Je te dis la vérité. Cherish. Papa. Qu'est-ce que tu as exactement avec le cuisinier du palais? Tu sembles oublier que tu es une royauté. Papa, je... Quel que soit ce que c'est, écarte-le de la lignée royale. Maintenant, disparais d'ici. Mais papa, tu ne m'as pas... J'ai dit disparais d'ici. Comment est-ce que ma princesse peut flirter avec le cuisinier du palais, Seigneur? C'est une abomination. Ma princesse, vous voulez quelque chose? Oui, bonjour. Je crois qu'il est temps de rencontrer ton ami dont tu m'avais parlé. Oui. Je vais d'abord montrer le projet à mon père et ensuite nous allons nous voir pour en discuter. Oh, c'est intéressant. Je vais dans ce cas faire toutes les préparations alors. Merci. Je vous en prie. Je m'en vais dans ma chambre. Très bien. Tu as vraiment une belle âme. Oh. Et je crois que tu me plais beaucoup. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Cela me va. Je vous apprécie aussi. Je suis aussi très fier de vous. Merci. Je réfléchissais. Ne penses-tu pas créer ton propre business? Crois-moi, Peter, tu auras vraiment du succès. C'est une très bonne idée. Mais vous savez, toute chose s'incline devant l'argent. Et commencer une affaire demande de l'argent. Mais je vais y réfléchir. Ok, d'accord. Une fois que j'aurai fini avec mon projet, je ferai quelque chose pour toi. Oh, merci. Vraiment merci beaucoup. Je serai reconnaissant. C'est pas grave. Merci. Je serai dans ma chambre. On se verra plus tard. Oh, merci. Ouais.
Entrez. Debbie. Tu ne dors pas et tu auras une journée chargée demain. Debbie, j'ai vraiment peur. Je suis vraiment confus. Oui, moi aussi. Mais elle doit toujours connaître. J'ai peur de la perdre. Je ne veux pas qu'elle se sente un jour déçue. Je ne sais pas comment te faire comprendre comment je me sens. Ok. Je pense que ce que tu fais est très bien. Si elle t'aime réellement, elle va l'accepter comme telle. Nous allons partir très tôt demain matin. Tu dois vraiment dormir, s'il te plaît. Ok. Va te coucher, je vais faire un effort. Je vais essayer de dormir. S'il te plaît, essaye de dormir, ok? Ça va aller, va te coucher. D'accord, bon sommeil. Ok. Très bien, ça c'est très bien présenté. Je me dis que ce projet est élaboré par un professionnel. Merci beaucoup. De rien, madame. En fait, la compagnie va fonctionner avec tous les biens que vous allez mettre à notre disposition. Je m'attendais à avoir de bonnes nouvelles venant de vous. Parce que mon ami m'a longuement parlé de votre entreprise et aussi de vos compétences. Ah. En fait, madame, mais c'est qui cet ami dont vous parlez à tout moment? Je peux le rencontrer. La prochaine fois que je viendrai, croyez-moi, vous allez le rencontrer. Okay. Alors, qu'en est-il de votre directeur? Oh, le directeur a une autre réunion là à l'intérieur, mais prochainement, quand vous viendrez, vous le verrez. D'accord. Je lui parlerai quand même du projet. Merci. Prends soin de toi, madame. Maman! Oh, c'est quoi? Pourquoi tu es aussi excitée, ma fille? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Maman, oui. Tu ne vas pas y croire. Croire en quoi? Maman, mon projet a été validé par une très grande entreprise. Wow, vraiment? Devine quoi? Peter a fait du bon boulot et ils l'ont approuvé. Oh, c'est une bonne nouvelle. Ton père doit aller savoir. Nous devons le célébrer. Oui, bien sûr, maman. D'ailleurs, je dois en parler à Peter. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi pas, maman? Je vais juste lui parler de ça et c'est tout. On venait de lui envoyer un message que sa mère est malade. Alors, il est parti voir sa mère ce matin. Oh. C'est bon, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il t'a parlé de son retour? Je ne sais pas vraiment, mais ce qui importe ici, pour l'instant, c'est que ton père doit prendre cette nouvelle. Lève-toi. Allez, oui, lève-toi. Je crois qu'il doit être en haut. Ton père doit aller savoir. Aujourd'hui, je célèbre ma fille, la princesse de ce royaume, puisqu'elle veut créer sa propre compagnie. Pour la soutenir dans sa nouvelle aventure, ma femme et moi avons décidé de lui donner 3 servantes, venant de chacun d'entre nous, pour son staff. Et en plus de cela, le premier staff qui va avancer et travailler avec elle, eh bien, aura le privilège de vivre dans ses appartements. Félicitations. Papa, merci beaucoup. Je t'en prie. Maman. D'accord, ça ce n'est rien. Merci. Félicitations. Ma reine. Ce n'est rien. Je t'aime. Ce n'est rien. Je t'aime. Alors, c'est quoi ton plan maintenant que ta compagnie va superviser le projet de la princesse? Je ne sais pas. Vraiment, je suis très confus. Je ne sais vraiment plus quoi lui dire maintenant. Et la réunion est censée être dans les 2 prochains jours. Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu as raison, mais il est temps pour toi d'accepter la réalité. Elle m'appelle depuis ce matin. Je ne sais vraiment plus quoi lui dire en ce moment. Tu ne peux pas lui dire des mensonges. Tu dois te préparer pour la réunion. Oh mon Dieu.
J'ai vraiment envie de m'enfuir. C'est ça ton vœu? Meurs ici. Elle m'appelle encore. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est comme si tu as un problème. Est-ce que tout va bien avec toi? Peter ne répond pas à mes appels. Je l'appelle à plusieurs reprises, mais sans succès. Ok. Et ça me fait peur. Je ne sais pas si quelque chose de mal lui est arrivé. Maman m'avait dit que sa mère était souffrante. Je voulais juste savoir si je pouvais lui apporter mon aide. Oh, je comprends très bien. Mais on n'a pas son adresse ni le numéro de l'un des membres de sa famille, tu vois. Qu'en est-il de Peace? Elle a un téléphone, n'est-ce pas? J'ai seulement le numéro de Peter. Mais t'inquiète, je vais encore l'essayer. Merci. Ok. Merci beaucoup. Tu as l'air pâle. Tu dois manger quelque chose. Rappelle-toi que tu as une réunion demain. Je vais manger. Ok, que j'appelle la servante de te faire quelque chose à manger. T'inquiète, je les appellerai au moment opportun. D'accord, tu es dans ma chambre. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas de venir. Merci. On se voit. Tu es très beau. Tu es prêt pour cette cérémonie. Oh, merci. Bien, je pensais, est-ce que je dois tout lui dire ici au téléphone? S'il te plaît, n'y pense même pas. Tu le penses vraiment? Mm-hmm. Ok, maintenant en route alors. D'accord. Les dames d'abord. Merci. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais juste vérifier quelque chose. Madame, je vous présente le directeur général de notre compagnie. Qu'est-ce qui se passe ici? Peter? Manager, excusez-nous s'il vous plaît. Messieurs, je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, tout va bien. Messieurs, il vient de dire que tu étais qui? S'il te plaît, mets-toi, nous allons avoir beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Désolé, je ne le ferai pas. Tu es parti de la maison sans dire mot. Tu as quitté la maison en disant que ta mère était malade. Et te voilà ici. Est-ce que tu peux d'abord te calmer, tu te mets, nous allons avoir beaucoup de choses à se dire. S'il te plaît, mets-toi. S'il te plaît. Mets-toi, s'il te plaît. Désolé, je ne le ferai pas. Parce que je sais que tu es en train de préparer un autre mensonge à raconter. Non, ma princesse, écoutez-le. Il a beaucoup de choses à vous dire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il t'a aussi payé pour faire ça? Non, pas du tout. En fait, c'est ma petite sœur. C'est mon assistante personnelle. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je viens de dire. Tu as besoin de... te calmer juste un peu. Ne sois pas trop énervé. J'ai beaucoup de choses à t'expliquer aujourd'hui. S'il te plaît. S'il te plaît. Princesse. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Princesse. Tu dois te reposer, hein? Salut. Où est la princesse? Où est la princesse? Elle est dans sa chambre, ma reine, depuis hier qu'elle est là. Ce qui veut dire que c'est depuis hier qu'elle n'a pas mangé et tu n'es pas venue me dire. Je suis désolée, ma reine. J'ai pensé qu'elle pouvait sortir ce matin. Tu pensais? Désolée, ma reine. Pas. Qui est-ce?
C'est moi, ta mère. Je n'ai pas besoin de te parler, maman. S'il te plaît, ouvre la porte. Je t'en prie, pars. Je n'aurais pas dû te crier dessus comme je l'avais fait ce matin. Non, ma princesse, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Je ne suis personne. Non, ça ne fait rien. En passant, vous avez dit que vous avez beaucoup de choses dans la tête. Alors, c'est quelque chose que vous aimeriez partager? Je peux vraiment vous aider. Alors, dites-moi, s'il vous plaît. C'est au sujet de la famille. Le business familial. À propos, mon père veut que je sois à la direction de l'entreprise familiale. Et de l'autre côté, j'ai envie de créer et diriger mon propre entreprise. Donc, je dois gérer tous les deux. Tu vois que c'est pas vraiment facile, mais je peux le faire, je sais. Ok. Alors, il s'agit de quel genre d'affaires là que tu veux? Oh, c'est plus dans la gestion des immobiliers. Je veux quelque chose de très grand. Oh, c'est la gestion immobilière? Oui. Je connais un ami. Un ami à moi qui a une grande entreprise. La gestion immobilière, il a beaucoup de maisons. Alors très souvent, je lui rends visite. Et j'ai aussi appris un peu de ce qu'il fait quand je le vois gérer ses biens immobiliers. Alors, je pense que je peux t'aider avec le peu que je connais, si ça te dérange. Es-tu sûr que tu peux? Oui, pourquoi pas, je peux. Si tu as des doutes sur moi, on peut commencer demain après le travail. Je serais vraiment ravi. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Oui. D'accord, madame. Alors, demain? Demain. On commence. Qui est-ce? C'est moi, s'il te plaît, ouvre. Entre. Ta mère m'a dit qu'elle toquait et tu ne voulais pas lui ouvrir. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il nous a menti. Il a menti à tout le monde. C'est ça. Tu pleures? Écoute, les choses se passent souvent aussi de la sorte. Ma princesse, arrête de pleurer. Ah, s'il te plaît, calme-toi. Les choses se passent de la sorte lorsque tu les gardes dans le cœur. Ça va te faire mal. Ça va beaucoup te déranger. S'il te plaît, ne pleure pas. Je n'aurai plus de financement pour ma firme. Pourquoi? Parce que l'entreprise lui appartient. Ma princesse, rappelle-toi qu'il te reste 4 jours pour que tu présentes ton projet à ton père. Non! S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. S'il te plaît.
Tu n'as même pas touché à la nourriture. Qu'est-ce que tu as? À quoi est-ce que tu penses? Je crois qu'il est temps pour que je puisse rencontrer ton ami, celui dont tu m'avais parlé. Oui. Il faut d'abord que je présente le projet à mon père. Ensuite, nous allons nous rencontrer pour en parler. Oh, c'est intéressant. Je vais dans ce cas faire toutes les préparations alors. Merci. Je vous en prie. Ok, je pars dans ma chambre. Très bien. Tu as une belle âme. Oh. Et je crois que je t'apprécie beaucoup. Est-ce que ça te va? Oui. Cela me va. Je vous apprécie aussi. Je suis aussi très fier de vous. Merci. J'ai pensé... Tu ne crois pas que tu peux débuter avec ton propre business? Je suis sûre que ça va très bien marcher. Parce que tel que tu es là, je sais que tu planifies un autre mensonge à nous raconter. Non, ma princesse, s'il vous plaît, écoutez-le. Il a beaucoup de choses à vous dire, s'il vous plaît. Dis-moi, est-ce qu'il t'a aussi payé pour faire ça? Non, pas du tout. En fait, c'est ma petite sœur. Oh, Seigneur. C'est mon assistante personnelle. Mais c'est quoi ça? C'est ce que je viens de dire. Tu as besoin de... te calmer juste un peu. Ok. Ne sois pas trop énervé. J'ai beaucoup de choses à t'expliquer aujourd'hui. S'il te plaît. S'il te plaît. Princesse. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Princesse. Tu dois te reposer. Beaucoup de choses dans ma tête. Je ne sais vraiment plus quoi faire en ce moment. Tu sais toujours ce que tu dois faire. Juste, suis tes sentiments. Tu dois. Tu as raison. Je sais toujours quoi faire. Et en sortant, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Ah, la nourriture. Bonjour, papa. Tu es la bienvenue, ma princesse. Merci. Papa, je voulais te demander une chose.
Oui, vas-y, ma princesse. Si quelqu'un t'aimant pour une bonne cause et que par après il vient pour te demander pardon, vas-tu lui pardonner? Bien, ma chère fille. Un mensonge est un mensonge. Mais quand c'est pour une bonne cause, surtout quand la personne s'excuse, je pense qu'elle mérite une seconde chance. Merci beaucoup, papa. Tu es vraiment un roi sage. Pardonner est quelque chose que nous devrions toujours faire. C'est peut-être dur, mais c'est la meilleure des choses à faire. Tu ne pardonnes pas parce que tu es obligé de le faire, mais parce que tu veux faire la paix avec toi-même. Papa, merci. Je t'en prie. Je suis très honorée d'être ta fille. Parce que tu possèdes la sagesse et aussi un grand cœur. Tu es un bon papa, un bon mari et un bon leader que je n'ai jamais croisé de toute ma vie. Merci. Merci, ma fille. Merci, papa. Maintenant, je veux voir un magnifique sourire sur ton visage. Ok. Est-ce que je veux partir maintenant? Bien sûr. Merci, papa. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je n'avais pas l'intention de lui mentir, ni de vous mentir. Je suis vraiment désolé d'être allé aussi loin, aussi j'ai falsifié mon identité. Vous voyez, je ne voulais pas vous mentir, ni lui mentir. S'il vous plaît, veuillez me pardonner. Ça, c'est sérieux. Sais-tu que tu étais allé loin? Oui, je sais, Votre Majesté. S'il vous plaît. Lui as-tu déjà parlé? Non, durant toute la journée, j'ai essayé de l'appeler, mais malheureusement, il ne prend pas mes appels depuis l'autre fois. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis venu ici pour la voir et lui parler. Tu m'as rappelé. C'est quoi ton vrai nom? Pas celui que tu nous avais donné, ton vrai nom, je parle. Ah. Bon, mon vrai nom est Romeo Williams. Je suis de l'état de Rivers. J'ai perdu mes parents quand je n'avais que 17 ans. Et je n'ai qu'une seule sœur en ce moment. Et elle s'appelle Debbie. C'est la fille qui était venue ici. Tu parles de Peace? Oui, oh. Peace, ouais. Oui, Peace. Alors je suis le PDG de Roy. C'est un groupe d'entreprises immobilières. Oh. Exactement. Et je suis célibataire. Totalement célibataire. Vous savez, maman, j'aime votre belle-fille, Cherish. S'il vous plaît, aidez-moi à lui parler. Avec Cherish à mes côtés toute la vie, je vais avoir un temps de vie favorable. Et je l'aime à ce point. Je sais que j'ai mal fait d'être allé jusqu'à ce point, ce qui n'est pas correct. Mais je pense que s'il n'y a pas de mauvaises choses, alors il n'y a pas de pardon. Oui. S'il vous plaît. Ça, c'est sérieux. T'inquiète, quand tu étais entré ici pour la première fois, j'avais senti que tu n'étais pas celui que tu me disais que tu étais. Mais je n'avais pas de choix. Je devine, c'est la façon dont je prépare, n'est-ce pas? Je me disais que ces garçons cachent quelque chose, mais je n'avais pas de choix. Bon, c'est ça, hein? Tu comprends un peu, hein? C'est ça un peu. Mais t'inquiète, je ferai de mon mieux. Je parlerai avec elle, comme ça on saura que faire. Mais elle a les derniers mots. C'est ça. Oui, je sais, mais on va parler. Merci, Votre Majesté. De rien. Merci. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Honnêtement, je ne sais vraiment pas s'il faut que je croie aux mots qui sortent de ta bouche ou pas. Alors, je te les redemande. Qu'est-ce que tu veux au juste?
bien, je ne peux pas te blâmer pour tes actions. Parce que je n'ai pas été vraiment sincère avec toi. Mais la vérité est que tout ce que j'avais fait, c'était pour une bonne raison. En vérité, je l'ai fait pour comprendre quel genre de personne tu es vraiment. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé d'avoir menti tous ces temps sur mon identité. De t'avoir menti et tout ce que j'ai eu à faire. Tout ce que j'ai eu à faire dans le passé. Et je suis maintenant parvenu à comprendre un fait. Et je sais quoi faire. Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Parce que tu me présentes des excuses avec un visage tout souriant. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne t'inquiète pas. Quand nous serons devant le pont, on va le traverser ensemble. Mais ce qui m'inquiète le plus en ce moment, c'est de savoir si tu m'as pardonné. Dis-moi juste que tu m'as pardonné. Cela fera reposer mon âme. Je suis désolé. Roméo, es-tu vraiment désolé de ce que tu as fait? Je suis désolé. Vraiment, vraiment désolé. Mais alors, tu t'es vraiment têtu. Je suis une princesse. Je vois. Arrête! Tout marche comme prévu. Hein? Oh mon Dieu. Ça fait longtemps que je t'ai vu dans cette humeur. Alors, je suis à tes côtés et dis-moi la bonne nouvelle concernant la princesse. Bien, elles m'ont finalement donné son consentement. Je lui ai dit ce que je pensais. Ok, et après? Le problème que je cherche, un concept de proposition qui est vraiment hors du commun pour cela. Alors, peut-être mettre la bague dans le gâteau ou faire que la bague tombe d'en haut, tu vois, peut-être quelque chose d'un peu malade, tu vois. T'inquiète, je vais te donner une idée. Vraiment? Mm-hmm. Comment peux-tu me donner une telle idée pendant qu'on ne t'a même pas encore proposé? T'inquiète, je regarde la télé. Ok, donc tu vas m'enseigner ce que tu as eu à apprendre dans les films de Hollywood. Ok. Ah oui. Roméo était ici et il m'a beaucoup parlé sur la princesse. C'est qui c'est Roméo? Peter le cuisinier. Quoi? Ouais. Je ne sais pas quoi dire réellement. Mais, Kate, est-ce que tu as confiance en cet homme? Oui, bien sûr. Mais c'est à la princesse de décider. Ok. Ok, Rita, le numéro de la princesse n'est pas disponible. Donne-moi juste ton numéro, je vais te rappeler dans 20 minutes. Tu viendras au bureau et tu vas récupérer quelque chose. Ok, laisse-moi enregistrer directement. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que tu évitais de prendre mes appels tous ces jours. Hein? Tu sais, la vie est tellement drôle. Qui croirait que ces Mike de toutes les femmes seraient fauchés un jour? Bien. Qu'est-ce qui m'a poussé même de sortir avec toi dans ma vie?
S'il te plaît, sors de ma maison. Je dis sors de ma maison. Honte de toi. Alors, nous aurons besoin de deux plats de riz et aussi le poulet fumé. Il faudra ajouter dessus de la sauce, deux plats de salade et aussi de l'eau. Juste ça? Oui, c'est okay, tout. Ok, d'accord. Winnie! Oh mon Dieu, qui est-ce que je vois? Chérie! Allez, viens ici, tu as tellement pris du poids. Ça fait longtemps. Ooh. Ma belle, regarde, toi, tu es bien habillée. Tu m'as manqué. Tu m'as beaucoup manqué. C'est depuis quand que tu es revenue au pays? J'étais revenue il y a de là quelques mois et tu m'as trouvée ici parce que je suis venue prendre à manger. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien, c'est moi la propriétaire de cet endroit. C'est pas vrai. Crois-moi. Oh. Winnie, je suis très fière de toi, beaucoup. Ma belle. Viens avec moi. J'ai tout un tas de boissons locales pour toi. Allez, viens. On y va. Winnie, tu sais très bien que j'adore papoter. Alors, vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé après moi? Vas-y. Oh ouais. Ça, c'est mon plus grand effort, mon ami. Tu es une fille qui m'étonnait, ma chère amie. Oh, je suis fière de toi. Tu me connais bien, ma belle. Oh, félicitations. Oh, merci. C'est très bien. Comment avec Mike? La chose la plus importante maintenant est que je vais très bien. Et concernant Mike, il est mon passé. J'ai pas vraiment besoin de parler de lui. S'il te plaît, parlons d'autre chose, ma belle. Allez, ma copine, n'est-ce pas que nous partageons du secret? Dis-moi. Winnie. Ok. C'est bon, d'accord. Je vais te raconter tout ce que tu veux savoir, mais... Votre colis est prêt, madame. Ok, pose-le là-bas. Je vais te parler en long et en large tout ce qui concerne Mike okay. et moi. Mais pour l'instant, ma belle, parlons d'accord. business. D'accord, si tu le dis. D'accord. Eh oh, jeune fille. Ça ne casse pas les carreaux, ma belle. J'ai l'intention de créer une firme. Alors, je serais très ravie si tu venais à la maison pour que nous puissions en parler calmement. Viens. Qu'est-ce que tu en dis? Tu n'as pas à t'en faire. Bien sûr que je serai là. Je serai là corps, âme et esprit. Tu sais combien tu m'as manqué. Tu n'as pas changé, toi. Laisse tomber. Je suis la première commère. Chai, cette vie est vraiment très drôle. La vie est mystérieuse. C'est vraiment terrible. Les tout-puissants messieurs Mike, messieurs les plus riches, il pleure pour l'amour. Hey, mon Dieu, comme j'aime qu'un homme pleure pour avoir ma main. Hey, je serais genre, messieurs, je ne veux pas de blagues. Sois sérieux. Ne viens pas pour des aventures. Réveille-toi. La reine a besoin de toi. J'arrive. Alors, portons un toast à la bonne nouvelle que je suis sur le point de te raconter maintenant. Trinquons. Très bien. À notre la succès. Joie est partagée. Donc, ma chère amie, mon père a donné son consentement. Oui, tout est en ordre. Mon business est sur le point de prendre de l'envol. Je suis super contente pour toi, ma belle. Vraiment. Et parle-moi de lui. Oh, passe, s'il te plaît. Oui. Ok, c'est comme je te l'avais dit. Michael et moi, nous ne sommes plus ensemble. Oui, tu me l'avais dit, mais Mike était un garçon gentil. Bien, j'ai écouté, mais ne me dis pas que la beauté qui est devant moi ici n'a pas encore un homme qui l'accompagne. Bonjour, ma princesse. Bonjour, ma princesse. Bonjour, merci.
À propos, qu'est-ce que tu disais? J'étais en train de dire que ce n'est pas possible que la beauté qui est devant moi manque un homme à ses côtés. Ne me le cache pas, n'ose même pas le faire. Ok, je vais être honnête avec toi. Il y a quelqu'un avec qui je sors ces jours-ci. Oui, il est très beau, il est intelligent, il est sage, donc il est vraiment bien. Mais je t'en parlerai plus quand ça sera confirmé. Ok, j'ai une question à te poser. Ne me pose plus de questions. S'il te plaît, c'est juste une question, une question. Juste une. Comment il s'appelle? Il travaille où? Il est court, élancé, noir, brun? Où est-ce qu'il habite? Il est de quel pays? Hé, quoi? Doucement. Ok. Tu avais dit une question. Mais tu en as posé cinq questions. Tu me connais. Ok, c'est comme je te l'avais dit que je vais te raconter tout ce dont tu as besoin. Oh, mais vraiment? Pas aujourd'hui. Ça sera un autre moment. Ok. C'est bon. Coston. Ah oui. Je suis très contente pour toi. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, ma fille. Alors, comment c'était ton premier jour au bureau, en tant que PDG? À vrai dire, ça n'a pas été facile, mais je suis forte. Ça finira par aller. Tu as l'air troublée, mais ne t'en fais surtout pas. Tu vas bientôt t'y habituer. Merci beaucoup, papa. Permets-moi d'aller me reposer. Ok. Je m'en vais dans ma chambre. Oh, c'est d'accord, ma chérie. Merci, papa. Entre. Ma princesse. Oui, Rita. Pas et servi. Ok, j'arrive. Merci. Reviens ici. Tu n'as rien à dire à la nouvelle PDG de l'entreprise? Aujourd'hui était mon premier jour au bureau et tu n'as rien à me dire à propos? Désolée, ma princesse. Hey, comment était votre journée? Allez, je plaisantais. C'est bon, j'arrive. Ok, merci. Tu apparais très beau. Pourquoi est-ce que tu peux être celle? C'est peut-être parce que je n'ai pas encore trouvé une bonne femme. Mais c'est toi que j'ai trouvé. Tu es trop jolie. Allô? Ah. Ok, j'arrive. Mon mignon. Tu parais exténué. Jessica, qu'est-ce que tu fais ici très tôt le matin comme ça? Te voir, bien sûr. Il est déjà 11 heures passées. Ça devient un problème pour moi de venir ici.
Je suis une femme. N'est-ce pas que je méritais un homme à mes côtés? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je comprends. C'est pourquoi Mike se comporte bizarrement. C'est à moi de te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de mon homme, toi? Toi, pétasse. Quoi? De quel droit oses-tu me parler de la sorte? Hein? Tu es folle? Es-tu stupide? Regarde-moi cet imbécile. Es-tu stupide? Hein? Attends. Tu verras ça quand tu m'as juste frappé. Ok, ok. Tu apprendras ta leçon. Tu m'as frappé. Tu vas rester loin des gens d'autrui. Voleuse. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Attends. Bonjour ma reine, bonjour ma chère, comment vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? Et comment va aussi ton frère? Je vais très bien ma reine, et mon frère aussi se porte à merveille. J'ai un rendez-vous avec la princesse, est-ce qu'elle est là? Bien sûr, elle est dans sa chambre. Merci beaucoup. Je ne crois toujours pas en ce garçon, Peter, ou quel que soit encore son nom. Il n'y a que le bonheur de ma fille qui m'intéresse ici. Tu as raison, Sa Majesté. Moi, j'en suis convaincue par son humilité. Tu sais, en dépit du fait que ce jeune homme soit riche, son humilité est vraiment sa deuxième nature. Bien, voyons voir. Voyons voir ça. Okay. Wow. Celle-ci est encore très fraîche. Il me semble qu'elle habite aux environs. Je vais pratiquement t'avoir, ma chérie. Tu veux dire que nous devrions soutenir la princesse pour épouser le cuisinier? Il n'était pas un vrai cuisinier, mon roi. Si nous voulons que notre fille aille la paix, donnons-lui une chance. Depuis le jour où ce jeune homme est entré dans ce palais pour devenir cuisinier, il est automatiquement devenu un membre de cette famille royale, basé sur sa longévité et son bon travail. Et maintenant qu'il a trouvé l'amour dans les yeux de la princesse,
Je vais te donner ma bénédiction royale. Papa, j'ai... Papa, oh... Je ferai tout pour toi, ma princesse. Oh, merci, papa. Ton bonheur est ma priorité. Je ferai tout pour te rendre heureuse. Papa, je suis très contente. Je suis reconnaissante. Je t'aime. Je t'aime encore plus. La manière dont j'ai pu te rencontrer était vraiment drôle, ça je dois le dire. Le sentiment d'un amour fort. Et ce qui est le plus drôle, c'est la manière dont j'ai procédé. J'ai fait beaucoup de choses que je n'ai jamais... Tu sais, imaginé que je le ferais avec ma petite sœur. Et cela montre combien je t'aime. Et combien je te veux. Aujourd'hui, je vais prendre cette étape. Cette étape que je ne m'imagine pas demain regretter, tu sais. S'il te plaît, épouse-moi. Merci, viens là. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Merci. Je n'ai pas d'autre choix à faire maintenant. Je dois juste l'appeler et avoir des nouvelles de la princesse. Allô? Rita, je veux que tu me fasses une faveur. Oga Mike, faut oublier la princesse. Elle est déjà engagée. Très bientôt, ils vont faire leur mariage. M'appeler à tout moment comme vous faites ne changera rien du tout. Si vous voulez, il faut venir la voir elle-même. Folle! Regarde-moi cette fille, elle a même l'audace de me dire que la princesse est engagée. N'importe quoi! Ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne peut pas être possible. Oga Mike, je vous conseillerais d'oublier la princesse. La cérémonie de fiançailles a été formidable. Je vous jure. Donc finalement, je l'ai perdue. La porte est ouverte. Mike, je sais que tu es surprise de me voir. Écoute, Mike,
Mettons notre passé derrière nous et faisons marcher cette relation. Écoute, Rose. Je suis très désolé. Je suis vraiment désolé pour toute chose. Je promets de commencer une nouvelle vie. Je te laisse mon cœur. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Parfois, je me demande pourquoi j'ai fait toutes ces choses. Désolée, qu'est-ce que tu as dit? Ne te dérange pas. Écoute, sérieusement, nous devons en parler. Je connais bien ton histoire avec ces autres filles. Est-ce que tu peux changer, Mike? Il me semble que tu es la seule fille qui me comprend mieux. Ne te dérange pas. Prochainement, tu auras des réponses à tes questions. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas encore servis? Où est passée cette fille? Je n'en ai aucune idée. Mais qu'est-ce qui le retient? Ça, c'est exactement ce que je déteste. Ce n'est vraiment pas du tout intéressant. Vous devez patienter quelques minutes parce que le monsieur n'est pas là. Peux-tu la fermer? Tu es stupide? Tu peux imaginer ça? Désolé, monsieur. Ferme-la. Waouh. Toi, vraiment, je n'arrive pas à te comprendre. C'est exactement ce que tu as fait l'autre fois avec... Je crois que c'était avec une autre fille. Disparais. Amène-nous le menu. Vraiment, je reste sans mots. Oh, peu importe. Ne laisse pas ton humeur être gâchée. Je suis heureuse d'être avec l'homme. Ah bon? Voilà pourquoi je t'aime. S'il vous plaît. Ok. Donc, je vérifie. Ça fait 5000, n'est-ce pas? Ouais. Ok, prends ça. Merci. Au revoir. Tu sais quoi? J'adore les plats qu'ils font. C'est pas trop épicé. Oui. Oh, Cerise. Salut, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et c'est toi? C'est Debbie, je crois. Hein? Oui. Comment va ton frère Roméo? Il va bien, merci. Ok, c'est bien. Vous vous connaissez tous les deux? Et j'ai l'impression que tu connais Roméo très bien. Parle-moi un peu plus. Bien, Roméo et Debbie sont mes clients potentiels. Nous nous connaissons il y a longtemps. Oh, pourquoi ces regards? Ah, je comprends. C'est Roméo, hein? À plus, ma belle, je m'en vais. On doit en parler. Mike, je suis très contente de te voir. Oh, pardonne mes manières, je te présente mon fiancé. Chérie, c'est un ami à moi. Sois les bienvenus, mon ami. Merci beaucoup. Heureux de te voir. Je suis très heureux de te voir, mon ami. Merci, c'est très gentil. Elle, c'est Rose. Tu te rappelles de Rose? Oui, bien sûr, je sais. C'est ma femme. Merci. Enchantée, bienvenue. Chérie, tu es heureuse. Je te dirai encore plus. Et reste de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Ok, merci. En fait, comment se passent vos affaires maintenant? Oui, le business évolue très bien. Oh, grâce à Dieu. Oh mon Dieu, les couples, les voilà en train de venir. Oui, salut ma chérie. Salut. Guys, je vous prie de recevoir les nouveaux couples de notre ville. Waouh. Bonjour. Salut, oui, bonjour. Je te salue. Oui, merci. Bonjour. Wow. Félicitations. Oui, merci. Vous savez quoi, nous devons le célébrer. Oh ouais. Anne. Oui, madame. Dépêche-toi. Prenons place, s'il vous plaît. Ah ouais. Finalement. Tu
Cherish, ça sent le mariage. Roméo prend bien soin de toi, je vois. Ah oui, hein? Maman. 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 Maman est partie où elle t'a laissé. Je suis désolée, elle va revenir bientôt. Oh, chérie, tu es là? Oh oui, bébé. Oh. Comment vas-tu ce matin? Il faut souvent lui donner de l'eau. Telo est là. Oh oui. Salut. Papa, bonjour. Prends soin de toi, n'est-ce pas? Je vais prends lui donner la bouteille. Ça. Prends, bébé. Regarde un peu ce qu'elle me fait. Elle est terrible. Non, pas comme ça. La laisse pas tenir. Oui, 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 okay. Oui, oui, oui. Oui, bébé, il faut l'essuyer. Maman. Maman. Voilà. Allez. Voilà. Ça, c'est ma fille. Elle est gourmande. Très bien. Ok, ça suffit. Allez, viens par là, ma fille. Viens. Maman est là. Tu dois laisser papa te reposer. Allez, viens par là. Viens dormir, ma princesse. Tu dois dormir. Ferme les yeux. Oui. Alors, tu prends ça. S'il te plaît, passe-moi le couvercle. Oui, attends, je vais chercher pour toi. Oui, merci. Et tu sors quand pour ce que tu dois faire? Je crois que quand on aura le temps, peut-être au courant de la semaine. Qu'est-ce que tu as? Oui, bien sûr. Ma princesse, mais qu'est-ce que tu as? Tu veux aller chez papa? Ok. Chérie, porte-la. Je pense qu'elle veut quelque chose. Oh, bébé. Hein? Oh, le sein. Ça, oh, c'est ton travail. Non.